On va commencer par la présentation de la liste Bone Splitters. Alors aujourd'hui, pour affronter du coup la liste Knighton de Sam, je vais vous présenter ma liste. Donc elle va être composée de trois persos. Donc mon général, ce sera le Virgog Prophet, donc qui est un sorcier niveau 2, qui va pouvoir lancer donc deux sorts et connaître deux sorts du domaine de magie, sachant que du coup je lui ai donné un trait de seigneur de guerre qui permet de choisir un sort supplémentaire dans le domaine et de lancer un sort de plus. Donc il pourra lancer trois sorts et en connaître deux du domaine. Donc les deux sorts du domaine que je lui ai donné, c'est un sort qui permet de. Donc c'est le souffle de Gorka-Morka, qui permet de doubler la valeur de mouvement d'une unité et de lui donner le mot-clé vol jusqu'à ma prochaine phase de héros. Sachant que si je fais un double sur la valeur de lancement, je pourrai tripler la valeur de mouvement. Ensuite, le deuxième sort, ça va être le sort Brutal Beast Spirit, qui permet de donner plus un la touche à la course et à la charge à une unité entièrement à 24 pas de lui. Et pareil, sur un double, je vais pouvoir sélectionner deux unités entièrement à 24 au lieu d'une. Ensuite, il a son sort personnel de Warscroll, donc son sort signature, qui est un sort anti-masse qui permet de sélectionner une unité à 24 pas ennemi et de, pour chaque figurine dans l'unité, jeter un dé sur un 6, ça fera une blessure mortelle. Sachant que s'il lance son sort avec une valeur de lancement de 10 ou plus, ça fera de la mortelle sur du 4 au lieu de sur du 6. Ensuite, il a naturellement un moins 1 pour être touché au corps à corps. Et il a donc, je lui ai donné un artefact qui permet de lui rajouter plus 1 à sa valeur de lancement. Et plus 2 si jamais il y a deux monstres ennemis à 24 pas de lui. Ensuite, je vais avoir un Savage Big Boss ici qui fera partie de mon bataillon. Le Savage Big Boss, il a une aptitude quand il va taper au corps à corps en phase de combat. Une fois qu'il a tapé, il pourra donner la possibilité à une unité entièrement à 12 de lui de s'activer dans la foulée. Et il a également une aptitude de commandement qui permet pour un PC, en début de phase de combat, de donner à une unité entièrement à 12 pas de lui. Que faire que les 6 à la touche font 2 touches. Ensuite, je vais avoir comme troisième personnage un Wardock, qui est donc un prêtre et un sorcier. Donc il va pouvoir, en début de phase de héros, sur un 3+, faire une prière. Donc je vais avoir le choix entre 3 prières. La première qui va être de donner plus 1 à la sauvegarde d'une unité entièrement à 12 pas. La deuxième qui va me permettre de donner plus 1 en lancement de sort, en dissipation et dissipation d'Endless Spell à une figurine entièrement à 12 pas, et la dernière qui va permettre de soigner des 3 points de vie à une figurine à 12 pas. Ensuite, il va pouvoir lancer un sort. Donc, comme sort du domaine de magie, Bone Splitters, je lui ai donné le sort Cunning Beast Spirit, qui permet de rajouter plus 1 à la sauvegarde à une unité entièrement à 24 pas de lui, ce qui pourra me permettre de combiner avec sa prière pour éventuellement le mettre à plus 2 sur une unité entièrement à 12 ou à 24 de lui. Ensuite, du coup, j'aurai en battle line 4 unités. Donc, les deux premières seront les deux unités de Savage Uruk, donc un pack de 30 et une unité de 10, qui seront équipées de la même manière en Tchoumpa et bouclier. Sachant que la bannière leur donne plus 1 à la bravoure et le musicien leur donne plus 2 à la charge. Donc voilà, ils seront également partis du bataillon. Ensuite, on aura les deux autres lignes qui seront 2x5 Savage Boar Boys, donc les mêmes unités mais sur sanglier, donc qui auront les mêmes bonus de plus 1 bravoure, plus 2 à la charge avec l'état-major, et qui vont se rééquiper en lance-bouclier. Donc les lances font qu'à la charge, ils auront plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Sachant que les montures, donc les cochons sur lesquels ils sont assis, auront la même règle, donc auront plus 1 à la touche, plus 1 pour blesser en charge. Tout ça fait donc partie du bataillon avec le Savage Big Boss qui permettra à une unité du bataillon, quand elle est entièrement à 12 du Savage Big Boss en phase de charge, de pouvoir courir, enfin de pouvoir charger alors même qu'elles ont couru à la phase de mouvement qui précède. Ensuite, pour finir, du coup, j'aurai le gros morceau de la liste, à savoir le Bone Grinder Gregant que Sam du coup m'a prêté pour sa barre de bataille. Voilà, il vaut 500 points, donc une grosse partie de la liste. Et lui, il aura plusieurs aptitudes qu'il partage du coup avec les méga gargons qu'on a vus il n'y a pas longtemps avec l'arrivée de Sons of Behemoth. Du coup, déjà, il va avoir 35 PV, save à 4 avec une bravoure de 7, donc assez costaud, il va pouvoir encaisser un petit peu. Il se déplace de 11 avec un profil dégressif. Et du coup, il va pouvoir taper relativement fort au corps à corps puisqu'il va avoir 7 attaques qui vont toucher en 3+, 3+, avec du rend qui malheureusement sera pas efficace aujourd'hui, Rend moins 2, dégâts 3, et une attaque de piétinement qui va pouvoir se faire assez mal aussi avec dégâts des 6. La possibilité de pouvoir, on va dire, one-shot une figurine au corps à corps s'il arrive à faire plus que sa valeur de points de vie. Et voilà, pour sa règle spéciale, il va avoir la faculté de mettre moins 1 en bravoure aux unités à 3 pas de lui. Il va pouvoir avoir la possibilité de
voler, en fait, de passer au-dessus des figurines qui ont moins de 10 points de vie, ainsi que des décors qui font moins de 4 pouces de hauteur. Il va avoir également la possibilité de ne pas être slain par une aptitude, donc comme la main de poussière ou ce genre de choses, l'épée de d'Archaon, donc il a cette capacité-là. Et pour finir, quand il meurt, en fait, on va jeter un dé, moi et mon adversaire, pour déterminer où il s'écroule et à qui il fait du coup potentiellement des blessures mortelles. Donc ça, c'est assez sympa, bien que très aléatoire. Et donc du coup, pour finir, donc toute cette armée-là, je vais la jouer donc avec le clan Icebone, du coup, qui me permet de choisir mon trait de commandement que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, je n'ai pas la figurine imposée dans mon armée, donc je peux choisir moi-même mon trait de commandement. Il me donnera à toute mon armée la possibilité, donc sur des 6 au jet de blessure, de rajouter plus 1 en reine à mes attaques. Donc malheureusement aujourd'hui, ce sera un petit peu inutile parce qu'on va affronter du Nighthaunt qui est éthéré. Mais voilà, c'est toujours une bonne aptitude générale. L'artefact que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, effectivement, qui m'est imposé par mon clan, sera sur mon Savage Big Boss, qui permet en fait de donner plus 1 à la bravoure ou toutes les unités entièrement à 18 pas de lui. Et pour finir, ça me débloque une aptitude de commandement que je vais pouvoir utiliser donc sur les cochons, parce qu'elle concerne uniquement les chauves-souris de sanglier, qui permet en fait à la fin de ma phase de combat, pour un PC, si j'ai une unité de cochon qui est entièrement à 18 pas d'un de mes héros, donc pour un point de commandement, je vais pouvoir les désengager, donc faire un mouvement de retraite comme si j'étais en phase de mouvement, et d'infliger un malus de moins 2 à la charge à toutes les unités avec lesquelles elles étaient engagées à 3 pas, jusqu'à la prochaine phase de charge, donc ma prochaine phase de charge. Ce qui peut être assez sympa, du coup, pour faire des tricks et essayer de se désengager, et voilà, potentiellement jouer sur le tour suivant. Bah écoutez, voilà, et j'ai oublié, du coup, pour finir quand même, le plus important, un pack de 6 tabas que j'ai failli oublier. Donc du coup, c'est une unité de 6, c'est une unité vraiment anti-monstre, puisque elle va permettre vraiment de décupler les dégâts sur les monstres, parce que c'est normalement des attaques qui sont en 3+3+, moins 2 dégâts D3, et qui passent à dégâts D6 contre les monstres. Et sachant qu'ils ont aussi l'arc spécial très importante, qui est de courir et charger, donc c'est vraiment l'unité un peu de l'armée qui va pouvoir vraiment aller vite vers l'avant et chercher les cibles à tuer en face. Et ils ont une règle spéciale également quand ils sont tués en phase de combat, donc par une arme de mêlée, donc ça c'est important. Ça ne marche plus comme avant à n'importe quel moment, c'est uniquement en phase de mêlée, en phase de combat par une arme de mêlée. Et ils vont, sur un 4+, infliger D3 blessures mortelles, donc par figurine tuée, à une unité à 3 pas au moment où la figurine est retirée. Sachant que ça passera sur un 2+, contre les monstres. Voilà. Et ensuite, du coup, pour l'armée entière, du coup, il y a les allégeances Bonesplitters, donc les règles que je débloque. Je vais avoir, du coup, un Feel No Pain à 6 sur l'ensemble de l'armée. Ensuite, la possibilité pour la moitié des unités de mon armée avant le début du premier round de bataille, donc une fois qu'on a fini de se déployer, de pouvoir faire un mouvement de 5 pas avec la moitié des unités de mon armée. Sachant que là, j'ai 8 unités Bonesplitters, donc ce sera 4 unités qui vont pouvoir faire un mouvement de 5 au début, à la fin du déploiement, avant le premier tour de bataille, avant qu'on détermine qui a le choix du premier tour. Ensuite, je vais avoir 2 règles qui vont concerner les monstres, donc en fait, qui vont me permettre éventuellement d'aller plus facilement tuer les monstres en face. C'est que quand une unité Bonesplitters, n'importe laquelle, va avoir un monstre à 3 pas d'elle quand elle va engager en phase de combat, va pouvoir choisir entre 3 bonus, qui sont soit de se rajouter plus 3 en mouvement d'engagement, soit de choisir avoir plus 1 à la touche pour les attaques qui ciblent un monstre, soit de pouvoir faire une blessure mortelle sur chaque 6 à la blessure, donc 6 non modifiés bien sûr, quand elle cible un monstre. Donc voilà, c'est vraiment cette règle-là qui va permettre d'être vraiment un peu anti-monstre avec n'importe quelle unité de l'armée. Et pour finir, une unité Bonesplitters, du coup, qui va tuer un monstre au corps à corps pendant la phase de combat, va être immune bravoure à la phase de bravoure qui va suivre, donc juste pour le tour qui suit. Donc voilà, ça, c'est un peu vraiment le côté un peu anti-monstre, anti-gros de l'armée. Et donc j'espère que ça servira peut-être aujourd'hui. Alors, je vais maintenant vous présenter ma liste Nighthaunt à 2000 points. Donc, vous l'aurez compris, c'est quasiment une des premières fois que je joue du Nighthaunt à 2000 points. Donc, au niveau des battle lines, je suis un peu limité parce que j'ai pas d'X-Rays, pas de Spirit Host et quasiment pas de Grimghast Reaper. Donc, je suis parti sur une base de 3x10 Chain Rasp qui me permettent d'avoir mes 3 battle lines. Par contre, le petit souci, c'est que j'ai pas ma relance D1 à la blessure dès que je vais perdre une figurine, etc. Donc, je vais essayer vraiment de capitaliser au maximum sur ces unités. Vous allez voir le scénario qu'on va jouer pour marquer quelques points supplémentaires. Ensuite, pour accompagner tout ça, la base de héros. Alors, je voulais jouer le petit couple Hollinder avec Kurdos. J'ai
pas joué au Linder parce que ça rentrait pas tout à fait en point. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué Kurdos Valenciennes. Kurdos Valenciennes, sa capacité particulière, c'est que sur un 5+, quand l'adversaire génère un point de commandement au début de son tour, il peut potentiellement le voler. Donc c'est très intéressant quand on est contre des listes qui sont assez dépendantes de leur PC, ce qui est un peu le cas des Bone Splitters, avec les différentes aptitudes de Cole, la Big Wag ou ce genre de choses. Pour l'accompagner, j'ai le duo magique composé d'un Spirit Tourment. Le Spirit Tourment, ça permet d'avoir une relance des 1 à la touche pour tous les Nighthawns qui sont entièrement à 12. Et pour les unités de Blade Guest, c'est full relance. À côté de ça, le magique, le Guardian of Soul, qui permet d'avoir un plus 1 à la blesse pour les unités Nighthawns entièrement à 12. Donc le petit combo du Spirit Tourment et du Guardian of Soul, le but, ça va être a priori de capitaliser vraiment sur leur bonus pour les unités d'impact de mon armée, c'est-à-dire à peu près tout sauf les Chain Rasp. Au niveau des artefacts, trade co, machin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'artefact Midnight Tome sur mon Spirit Tourment qui lui permet de choisir un sort du domaine de magie. J'ai pris Ripping Seat qui va lui permettre, sur une valeur de 4, de relancer toutes ses touches et toutes ses blessures jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc c'est particulièrement fort parce que normalement c'est un sort qui se lance que sur les magiciens eux-mêmes, c'est-à-dire le lanceur de sorts. Et évidemment, en Nighthawn, il n'y a pas vraiment de magicien qui tape très fort au corps à corps. Par contre, ce petit gars, une fois qu'il commence à avoir ce genre de bonus, il a quand même 3 attaques, full relance, rien de moins 2, dégâts des 3. Donc on va dire profil un petit peu proche de celui des Mirmand Banshee, et il devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc c'est le seul artefact de ma liste. J'ai mon Knight of Shroud, qui lui est mon général, donc classique, plus une attaque sur une unité entièrement à 18 pour 1 point de commandement. Je lui ai mis le trait de commandement, le Ruler of the Spirit Host, qui va me permettre de ramener des modèles. Il s'avère que c'est particulièrement intéressant quand on commence à jouer des unités multi-PV, comme les Spirit Host ou les choses comme ça. Ce n'est pas le cas de ma liste, mais ça va quand même me permettre de fiabiliser un petit peu ce que je vais pouvoir ramener. Ensuite, le Guardian of Soul. Donc de base, il a un sort de Warscroll qui est assez intéressant, qui me permet de ramener des 6 points de vie sur une unité. Donc globalement, si j'arrive à le faire accompagner ces unités de Mirmand Banshee ou les Blade Guest qui sont mono-PV, je peux en ramener jusqu'à 6. Donc c'est quand même particulièrement intéressant. Avec ça, je lui ai mis le sort Shade Mist qui me permet de prendre une unité à 12 et d'avoir un moins 1 à la blesse pour l'adversaire quand il va taper sur cette unité. Ça donne quand même pas mal de survivabilité. Les modificateurs de blessures, on n'en voit quand même pas tous les jours et c'est à ne pas négliger. Ensuite, dernier héros, Reykenor. Donc Reykenor, quoi de particulier? Alors, il a principalement la capacité de pouvoir soit mettre une blessure mortelle à une figurine, soit se mettre une blessure mortelle à lui. Et dépendamment de la cible de l'effet, je vais pouvoir soit avoir un plus 1 au cast, soit un plus 3 au cast. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris dans la liste, parce que les Chronomantic Cogs sont très importantes dans ma liste, puisque je vais beaucoup me baser sur la TP et la FEP, donc c'est-à-dire à 9 de mon adversaire. Si j'ai moyen de fiabiliser le lancement des Cogs pour avoir un plus 2 à la charge assez rapidement dans la partie, maximum T2, ça serait quand même pas mal. Ça me permet d'avoir des charges à 7 à passer, en sachant que j'ai déjà pris un point de commandement, plus un par tour, plus potentiellement ceux que je vais pouvoir voler, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus intéressant. À côté de ça, je lui ai mis le sort qui lui permet de voler des points de vie à un adversaire, donc c'est un peu en mode ville transférence, c'est assez sympathique. Et en plus de ça, il a son sort maison qui lui permet de mettre des 3 blessures mortelles. Si une figurine a été tuée, il remet des 3 blessures mortelles. Donc c'est un sorcier qui a des sorts qui sont assez courtes portées, parce que là on est vraiment sur du 12, mais par contre il a une énorme mobilité, énorme projection, il bouge de 14. Si j'ai mes cogs qui sont sur la table en course et charge, parce que c'est comme ça que je les aurai, il aura 16 de mouvement. Et globalement, c'est pas un monstre de cac, donc il va être principalement là pour se placer, donner 2 auras, donner des field no pain, etc. Aptitude des Nighthawns classique, j'ai une aptitude de commandement qui me permet au début de ma phase de mouvement de TP une unité et de la ramener à portée d'un héros, c'est-à-dire entièrement à 12 et à plus de 9 de l'adversaire. Donc ça permet d'avoir une grande projection quand on va TP des héros dans des coins de la table qui vont pouvoir ramener d'autres unités sur eux. Typiquement, c'est très fort avec le Dreadblade Arrow qui lui a la capacité de se TP ailleurs et ensuite de ramener des unités avec lui. Là, c'est un petit peu moins l'orientation de la liste, mais ça permet quand même de replacer des unités qui sont un petit peu mal en point n'importe où, depuis n'importe où sur le champ de bataille, pour les ramener à côté des héros en question. Enfin, j'ai mes Mirmand Banshee. Donc les Mirmand Banshee, c'est une unité que j'aime beaucoup. Je joue une unité de 12.
C'est assez simple, c'est une attaque 4 plus 3 plus moins 2 d3. Il faut savoir qu'elles ont la capacité de dissiper et de conjurer les sorts. S'ils conjurent, elles prennent des 3 blessures mortelles. S'ils dissipent, elles ont des bonus à la dissipation de plus 1 par palier de 4. Donc potentiellement, elles peuvent dissiper à plus 3, en sachant que c'est une dissipation à 18 pouces, à 18 pas, pardon. 18 pouces, non, je l'ai bien dit. Au lieu de 30 habituellement. Capacité, si je conjure ou je dissipe, je gagne une attaque. Donc elles peuvent monter à 2 si elles dissipent un sort, à 3 si elles le conjurent dans le tour juste qui suit, puisque la dissipation, c'est jusqu'à la prochaine phase de héros adverse. Donc c'est très fort. Avec le Knight of Shroud, il y en a déjà une qui est tombée, je vais pouvoir avoir potentiellement au maximum 4 attaques. Donc 4 attaques moins 2 des 3, ça commence à envoyer assez lourd, surtout si elles sont à proximité du Spirit Tourment et du Guardian of Soul, ça devient pas mal. Mais Blade Guest, donc ça c'est un peu l'unité fiable de la liste. De base, ils ont quand même une capacité extrêmement forte qui est de désengager et charger dans le même tour, donc ça c'est hyper 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 important pour moi. Petit problème, ils ont un de portée sur leurs armes, et grosso modo c'est du 3 plus 3 plus, plus une attaque en charge. Full relance à portée du Spirit Tourment pour les touches, et plus 1 à la blesse, c'est du 3 plus relançable de plus, c'est très 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 fiable, et je peux vraiment compter sur eux. C'est de la saturée N-1, c'est très fort. Et là, on a pareil, de la grosse saturation, mais un petit peu moins fiabilisable, puisque c'est une unité de Haridan. Sa capacité particulière, c'est pour les unités, pardon, les figurines adverses qui sont à 3 pouces ou moins, et qui ont 5 ou moins de bravoure, elles vont avoir un moins 1 pour toucher. Donc attention, l'effet s'applique bien de figurine à figurine. C'est-à-dire que si vous avez une partie d'une unité qui est à proximité de certaines Haridan, mais qui a des figurines de cette unité qui ne le sont pas et qui tapent ailleurs, elles n'auront pas ce malus à la touche. Ça sature fort, les 6 à la blesse font 2 touches. C'est une unité que j'aime beaucoup, surtout quand on commence à la combiner avec justement l'amour de Ghoul, qui permet elle de donner un moins 1 à la touche entièrement pour les unités qui sont à 6, qui n'est pas très très forte, qui a perdu 10 points. Mais disons qu'en combinaison avec les Haridan, je vais pouvoir me prémunir un petit peu avec des moins 2 à la touche autour de moi, ce qui est quand même particulièrement intéressant quand on a des unités de corps à corps en face. Donc c'est tout pour ma liste, et on va voir si les Nighthawks sont capables de raser des peaux vertes. Pour cette partie, nous jouerons le scénario du manuel général 2020, objectif mouvant. Donc il a un petit peu changé, on a 3 objectifs sur la table. On va avoir un objectif principal qui va valoir 2 points, les objectifs secondaires qui vont valoir 1 point. A noter qu'on marque 1 point supplémentaire lorsqu'on a une unité de battle line qui est à 6 pouces de l'objectif. Concernant la table, nous allons jouer sur le royaume de Gur. Alors, sur le royaume de la bête, qu'est-ce qui est intéressant? Globalement, il y a un sort qui permet d'avoir plus de courses et charges. Donc, de mon côté, j'ai pas de courses et charges, mais j'ai des charges post-FEP. Donc, c'est assez intéressant. Et toi, de ton côté, ça risque aussi d'être assez pratique puisque tu as déjà des bonus de charge un peu partout. Exactement, j'ai déjà plus 2 en charge sur la plupart de mes unités avec les tambours et j'ai également mes big stabas qui peuvent courir et charger. C'est ça, donc potentiellement un petit plus 4 qui est le bienvenu. Ensuite, l'artefact, bon, on l'a pas pris, il est pas très important. Par contre, il y a une aptitude de co qui est assez sympathique. Bon, alors, le hasard a fait que ça risque d'être utile, qui est qu'on peut, pour un point de commandement, sur un behemoth entièrement à 12, le faire taper plein profil. Donc moi, sur mon monde gul, ça va pas être super utile. Par contre, j'en connais un qui risque d'être assez content de pouvoir taper full profil, effectivement. Donc mon plan, c'est de le laisser tomber. Donc voilà, c'est au niveau du scénario et du royaume, c'est à peu près tout. Ensuite, pour la table. Alors, on a ici un décor fatal, un décor volcanique, décor sinistre qui donne moins 1 à la bravoure, décor fatal, décor luxuriant, décor, je ne vois rien, guérisseur. Ouais, oui, c'est vrai que d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à 1. Et un décor étrangleur ici. C'est ça, donc moins 2. Tu t'es dit que le plus 2 course et charge, c'était trop fort, donc tu as préféré l'annuler. Je me suis énervé un peu sur le mouvement d'emblée de jeu. Bien fair play. Donc c'est moi qui ai choisi mon côté. Bon, il n'y avait pas de raison particulière, si ce n'est éviter l'étrangleur, mais on n'a pas une table qui est très impactante pour cette partie. À noter aussi que sur Gur, tous les décors vont être fatals et non pas fataux. Donc, on a, au fond, voilà, donc tout est fatal, en plus des effets, et on a des décors qui sont double fatal, du coup. Exactement. C'est extrêmement rare. Double fatal. Ensuite, concernant mon déploiement. Alors, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le cœur de l'armée, à savoir les Banshees, on peut peut-être les montrer, hein, c'est les Banshees, les Blade Guest, le Spirit Tourment et le Guardian of Soul en frappant profondeur.
Hop, revenons sur la table. Ensuite, j'ai placé une unité de petits chaînes rasp de chaque côté qui va être un petit peu, ne sachant pas si j'aurai le premier tour. Bah, si j'ai le premier tour, tant mieux, ça va me permettre d'aller marquer au moins 4 points, donc 2 points sur chaque objet. Si je ne l'ai pas, bah, ça donnera un peu à manger et puis ça évitera de me faire impacter le cœur de l'armée. Concernant le reste, j'ai placé mes Haridans sur la table parce qu'elles donnent quand même un moins 1 à la touche qui est très appréciable contre les armées de CAC. Ouais. Donc c'est un peu du cordon de luxe, si on peut dire. Et je les ai mises entièrement à 12 de mon Reikonor. Donc parce qu'elles doivent être à 12 du même héros. Donc voilà. Ensuite, un petit bunker puisqu'il paraît qu'il y a des cochons volants en face. Donc qui peuvent potentiellement bouger de 36 en volant. Donc déjà, ici, il y a 6, donc il ne va pas pouvoir poser avant de charger. Donc il faudra qu'il démarre de là-bas, qu'il passe par-dessus. Bref, l'idée étant de protéger le cœur de l'armée. J'ai placé mon général ici, la Mongul juste à côté. Ce qui veut dire que dans cette zone, autour du général, au corps à corps, on a quand même un moins 2 à la touche, puisque tu as une bravoure qui n'est pas exceptionnelle. Non, effectivement. Je suis à 5 de bravoure de base sur quasiment l'ensemble de l'armée. Ouais. Et voilà, sans les bonus qui interviennent en phase de bravoure, c'est un peu compliqué. C'est ça. Donc, c'est tout pour mon déploiement. Est-ce que tu peux nous présenter le tien? Alors, mon déploiement, il est assez simple. J'ai vraiment le cœur de l'armée qui va être au milieu, donc avec le gros pack de 30 Savage Rook, mon général qui est caché au milieu, et le petit prêtre en soutien derrière pour essayer vraiment de renforcer le gros pack du milieu. Lui, on le reconnaît avec son petit masque. Ensuite, derrière, un deuxième petit pack de 10 qui va un peu servir à écranter vraiment plus les Big Stabas qui sont derrière. Et ensuite, j'aurai sur les flancs, donc à gauche, 5 cochons. Avec à côté le Big Daddy. Oula, pardon. Ici, on va l'appeler, je ne sais pas si on lui a donné un petit nom déjà ici, mais voilà, qui sera ici sur le côté. Non, il n'y a pas encore de nom, malheureusement. Et de l'autre côté, 5 cochons également qui vont être sur le flanc, un peu pour la prise d'objets. Donc on a vraiment le cœur de l'armée un peu au milieu pour l'instant. Comme tu as beaucoup de FEP, il fallait un petit peu prendre la serrer table. Et prendre la table. Très bien. Donc, est-ce que tu as choisi concernant le choix du premier tour? Alors, avant de choisir faire le choix du premier tour, je dois faire bouger la moitié des unités de mon armée. Donc du coup, c'est une des règles d'Alliance Bonespeeters. De 5 pouces. Jusqu'à 5 pouces. Donc après, c'est moi qui décide si je les bouge ou pas de 5 pouces ou pas. Et donc, je vais faire ça tout de suite. Très bien. Suite à ton mouvement de pré-game, donc tu as avancé ton pack de 30. Exactement. Donc mon pack de 30 qui a avancé d'à peu près 5 pas vers le centre de la table, qui a été suivi par mon général et par mon Wardock derrière. Et j'ai également avancé donc de 5 pas moins 2 au décor étrangleur, les cochons sur la droite. C'est ça. Avant le choix du premier tour, on va regarder quel objectif va valoir 3 points. On a 1-2, c'est celui-ci. 3-4, c'est celui-ci. 5-6, c'est celui qui est là-bas. C'est parti. 2, donc ça sera l'objectif tout ici. Et donc maintenant, j'ai le droit de te demander, prends-tu le T1? Oui, je vais prendre le T1, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai avancé un petit peu tout de manière agressive. Ok. Voilà. Donc du coup, début de ma phase de héros. Donc... Au premier tour, j'ai un point de commandement dû à mon bataillon. J'ai payé un deuxième point de commandement dans la création de ma liste. Ouais. Et malheureusement, donc, je vais ne pas gagner mon point de commandement de début de T1 parce que le bon grinder en tant que mercenaire, du coup, me coûte un point de commandement au premier tour. Donc je peux pas te le voler. Exactement. C'est le counter de la liste. Non, mais t'as counter build, j'avais remarqué. Exactement, exactement, c'était fait exprès. Du coup, en début de phase de héros, donc toujours par rapport au point de commandement, mon général qui est ici sur un 4+, va me générer un point de commandement supplémentaire. Ce sera un 3, donc non. Ensuite, toujours en début de phase de héros, j'ai mon Wardock ici qui peut faire sa prière. Donc ça serait une prière sur du 3+, et donc je vais donc essayer de mettre plus 1 sauvegarde sur mon pack de 30 Uruk. Et ça sera un 6, donc ils auront plus 1 en sauvegarde. Ce qui les fait passer à 4. Ce qui les fait passer à 4 au corps à corps. Au corps à corps. Ouais. Voilà. Ensuite, en phase de héros tout court, donc on a fini le début de phase, je vais lancer des sorts, donc j'ai 2 sorciers, je vais commencer par lancer un sort avec mon général, qui sera son sort de signature de Warscroll, donc qui est le sort anti-masse, et donc il va lancer ça sur du 5, il a plus 1 parce qu'il a son artefact qui donne plus 1 pour lancer des sorts, donc ça passera sur du 4. En sachant que je ne suis a priori pas à portée de dispel. Voilà, donc ça va passer sur du 8, donc ce ne sera pas la version boostée du sort, mais ce sera déjà pas mal. Et donc il va cibler le pack de 20 Haridan, donc je vais donc jeter 20 dés. Et sur chaque 6, ce sera une blessure mortelle. Et donc heureusement que je me suis mis à portée de mon héros pour avoir le Feel No Pain à 6, puisque contrairement aux Légions, c'est pas Within 6, mais c'est Wally Within 12. Voilà, alors que moi c'est tout le temps et parce que je suis cheaté. Tu joues une armée absolument pétée. Exactement. Donc sur du 6, et il y en aura quand même quelques-uns. 1, 2, 3.
3. 3 Feel No Pain. Évidemment, je vais annuler les 3. Oh bah, 2. Non, mais j'annonce. Ça annonce la partie. D'accord, très bien. J'ai une Aridane qui meurt. Alors que tu noteras que moi, je suis bien stat, hein, 3 sur 20. Et moi, 2 sur 3. C'est normal. Très bien. Donc, c'est son premier sort. Donc, sachant que lui, il peut en lancer 3 du coup. Le deuxième, il va lancer tout de suite le sort un peu important, enfin peut-être pas sur un premier tour, mais important par la suite, qui sera le sort de le souffle de Gorka Morka, qui permet donc de doubler le mouvement et donner le Keyword Wall. Sur un double, c'est la ça fête. Ça passe sur du 6, et donc plus un 8, et plus un 9, donc ça passe. Tu ne peux pas dissiper parce que tu n'es pas à portée. Exactement. Et donc, je vais décider de donner ce sort de vol. Sur lui-même. Sur lui-même, non, tout à fait. Non, ce sera du coup sur le pack de cochons qui est ici entièrement à 24. Donc tu vas réussir à nous faire ton pack de cochons volants, mais ils volent à 24. Exactement, donc ils vont doubler leur mouvement et donc voler. Du coup, tu vas avoir tes cochons volants à 24 pouces. C'est ça, qui peuvent voler jusqu'à 24 pas. Ensuite, je vais avoir mon Wardock ici, qui va lancer donc son sort Cunning Wreck. Cunning Wreck, il lance des bataillons. Non, c'est ça. C'est Cunning Beast, Spirit, du coup, qui va rajouter plus un sauvegarde. Sur un pack entièrement à 24 pas de lui. Donc c'est sur du 6 et ça va passer tout juste. Et donc je vais mettre encore plus un sauvegarde sur mon pack de 30. Pas mal. Donc tu as ton pack de 30 qui a une save à 3 au corps à corps. Tout à fait. Et donc du coup je vais lancer mon dernier sort avec mon général et je vais lancer un plus 1 à la touche, plus 1 à la course, plus 1 à la charge. Ouais. Avec le général. Donc sur un pack entièrement à 24 pas. Ça passe sur du 6, donc ça fait 7 plus 1, 8. Ça passe. Et donc je vais mettre plus 1 pour toucher sur le gros pack de 30 aussi pour le moment. Qui est bien buffé. Qui est bien buffé, exactement. Plus 1 course, plus 1 charge, plus 2 save. Exactement. On est pas mal. Fin de ta phase de héros ? Écoute, fin de la phase de héros, effectivement, on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton plan pour la phase de mouvement ? Comme ça on se retrouve... Tout à fait. Alors du coup, ayant pris le premier tour, le but va être forcément donc d'aller se poser sur les trois objectifs. Le gros pack du milieu, même si l'objectif primaire se trouve sur le côté, va quand même prendre le centre de la table. Ouais. Et je vais aller me déporter un petit peu sur la droite avec mes unités qui sont ici pour prendre le contrôle de l'objectif primaire. Et les cochons vont bien sûr aller se poser dans le coin pour scorer l'objectif ici parce qu'il va falloir le scorer. On verra si on arrive à le tenir par la suite. Et le géant, je pense que son but dans la partie va être de foutre le bordel en face, donc va de toute façon aller tout droit, je pense. Et les cochons volants. Et les cochons volants, ouais, vont essayer dans deuxième lame peut-être après de faire quelque chose. Voilà pour la phase de mouvement. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes tes courses, parce que tu en as eu un bon paquet là. Ouais, effectivement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont couru, quasiment tout d'ailleurs, sauf les 5 cochons qui donc du coup ont double move et ont volé pour venir se mettre juste devant les chain rasp. On a ici le pack de 10 qui a fait une course, mais pas suffisant, donc j'ai dû payer un point de commandement pour les faire courir de 6 pour venir justement se mettre sur l'objet ici. Ouais. On a les Big Stabas qui ont fait une grosse course, mais qui sont vraiment restés en deuxième vague derrière. Le Savage Big Boss qui a lui-même couru pour suivre un petit peu. De 1. De 1, ouais, une belle course de 1, mais bon, il est suffisamment bien positionné. Et on a ensuite le gros pack de 30 qui s'est donc avancé sur l'objectif central, avec les deux persos un petit peu au mieux pour être un peu protégés. Pour éviter de se prendre du coup une faible derrière qui va faire trop mal. Le géant donc s'est donc avancé sans courir lui pour le coup juste pour pouvoir faire son tir. Et on a également ici les cochons qui n'ont pas vraiment besoin de courir, qui sont juste se positionner le plus loin possible là sur l'objectif pour contester ici et scorer. C'est ça. Donc là, globalement, tu vas marquer quand même pas mal de points parce que tu as des lignes un petit peu partout. Exactement. À noter que, je crois que j'ai peut-être oublié de le dire, mais au déploiement, vu que tu as placé ton géant avant... tout ça, parce que j'avais beaucoup plus de pauses que toi, je m'étais mis à un poil plus de 29, ce qui fait qu'avec tes 11 de mouvement et 18 de portée, tu vas avoir que les Aridane à portée pour tirer avec le géant. Exactement. Et donc, ce que je vais faire tout de suite, donc le géant, il a un tiers. On le connaît, ça marche pas ça. Sur du 3. Voilà. Il s'arrête. Excellent. Voilà, c'est très bien. Le géant a fait son taf. Donc, fin de la phase de tir. Franchement, brillant. Brillant, efficace. Phase de charge, je pense que t'en as qu'une. Exactement. Donc, ça va être effectivement les 5 cochons qui sont là-bas. Une petite charge à 3. Une petite charge à 3, sachant que j'ai plus 2 avec mon tambour. Ça va aller, je pense. Oui. Et ça fera 5 plus 2, 7. C'est bon. Et puis, nous allons passer à la phase de combat. Exactement. On va juste procéder au décor fatal des cochons. 2. Donc, tu prends pas de blessure mortelle. Tout à fait. Donc on a une seule activation qui concerne les piggy. Exactement, qui ont réussi du coup une charge à 7.
Ouais. Et qui vont du coup donc taper dans les chain rasp. J'ai 5 attaques par tête. Alors en fait, il y a les attaques des montures et les attaques des cochons, des orogues dessus. C'est les mêmes profils en fait, comme ils sont chargés. Ils ont plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse, que ce soit les cochons ou les lances. Ouais. Du coup, ça fera 26 attaques en tout. Sur les 3+, 3+. Fais-moi rêver. C'est parti. Bah, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça va. Et donc je vais blesser sur du 3 également. Et donc normalement les 6 à la blessure me font reine plus 1. Ah oui. Et contre toi ça me sera d'aucune utilité. Et ça c'est beaucoup moins bien déjà. Vache. Ouh la vache. Ouais. Bon, Ah oui, je pensais que le pack allait y passer, mais en fait. Bah moi aussi, tu vois, ou presque en tout cas. Donc 6. 6 blessures. Donc c'est parti de mon côté, j'ai une sauvegarde éthérée à 5. Et ouais, c'est pas la folie non plus. Ouais. J'ai donc 5 morts et par contre j'ai pas de feel no pain parce que je ne suis pas à portée de mon héros. Donc on va faire tout de suite mon activation. Il me reste 5 mecs. Évidemment je vais retirer la ligne arrière. Donc je vais avoir 11 attaques qui vont toucher sur du 4. On est pas mal. Ouais. Blessé sur du 4. Oula, on n'est pas mauvais du tout. Ça te fait 4 sauvegardes. Tout à fait. Reine moins 6, dégâts des 3. Donc ça fera du coup 4 sauvegardes sans reine de ton côté. À noter, j'en avais plus que 5, même si visuellement il y en a 10, donc je n'ai pas la relance des 1 à la blessure. Oui. Voilà. Du coup, moi ça me fera une sauvegarde donc à 5 parce que j'ai des boucliers. Ouais. Solide. Et réussir une, et donc j'ai un Finopain à 6. Moi j'ai pas besoin d'avoir de héros à portée. Ça se la pète. Et rien du tout, ça fait un cochon de mort. Ben voilà. Voilà, c'est super. Très bien. On va procéder aux pertes et faire le petit décompte des points. Après, le retrait des pertes. Donc ici, j'en ai perdu 5. Tu en as perdu 1. Moi, j'ai une bravoure à 10. Donc sur un 6, je repère 1. Non, c'est bon. Et de ton côté, par contre, tu vas faire un 6 puisque tu en as fait 0 au feel no pain. Effectivement, comme j'ai une bravoure de 5, plus 1 avec mon étendard, moins 1 avec ton allégeance Nighthawn. C'est ça. Sur un 6, je peux en perdre 1. Ouh là là, 5, on l'a vu. Juste. Ouais. On l'a vu. Ok, donc concernant le scoring des points, que va-t-il se passer? Ici, l'objectif principal, tu marques 2 points plus 1 parce que tu as l'unité Battle Line. Tout à fait. Ici, tu marques 2 points en tout, enfin 1 plus 1 puisque tu as l'unité Battle Line. Exactement. Et ici, tu es Battle Line avec eux. Effectivement. Et donc, tu marques 7 points. C'est ça, c'était un peu la raison de prendre le premier tour. C'est ça, prendre les points. Et donc on va donc déjà être sur un score de 7 à 0 avant de passer au premier tour côté Nighthaunt. On va commencer avec le Ruler of the Spirit Host du Général qui va me permettre de ramener des 3 figurines d'une unité Within 9. Donc j'ai ramené une Aridane. Comment je l'ai ramené? En fait je l'ai ramené de manière à minimiser la charge ici. Donc je vais avoir, je suis à 16. Vu que j'ai 8 de mouvement ça me fait 8 moins potentiellement les Chronomantic Cogs qui peuvent être lancés par Reykenor. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ma phase de héros? Déjà, je vais gagner un point de commandement, ce qui va m'emmener à 2 points de commandement. Tout à fait. Qu'on peut voir sur ce magnifique ustensile. 0 points de victoire, d'ailleurs, qu'on voit. qu'est-ce que je vais faire? Donc, malheureusement, mes sorciers ne sont pas sur la table. Donc, ma phase de héros va être un petit peu famélique. Par contre, j'ai quand même un truc super important, c'est les cogs. En Nighthaunt, si on veut vraiment utiliser la FEP, se baser sur des charges à 9, c'est compliqué. Donc, si j'ai l'occasion de passer mes cogs, je vais absolument le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'aptitude de Reykenor, qui va dire qu'il va se mettre une blessure mortelle. En échange de quoi, si la blessure mortelle est infligée, je vais pouvoir caster à plus 3. A noter que les Feel No Pain sont obligatoires, et si je réussis mon Feel No Pain avec Reykenor, je n'aurai pas le plus 3. Donc, c'est la première fois de votre vie que vous voulez absolument louper un Feel No Pain. 3, excellent, j'ai plus 3. Donc, Reykenor va lancer les Chronomantic Cogs à plus 3. Malheureusement pour moi, tu t'es un petit peu avancé, tu vas être à portée de dissipation. Tout à fait. Chronomantic Cox, valeur de lancement de 8, c'est pas super simple. C'est parti. Je fais 8 et 3, 11. D'accord, donc je vais quand même tenter les dissiper, même si ça va être très compliqué, étant donné que je n'ai absolument aucun bonus à la dissipation. Donc je vais tenter. Sache que je le prendrai très mal. Tenter avec mon général, et donc il me faudra un double 6. Oh là là. Franchement, comme d'hab, t'as le 6 qui s'arrête en premier, ouais. Et après tu vois le 4, qui en plus a tourné. Donc dans la plus grande des sérénités, je vais poser mes Chronomantic Cogs, et je vais évidemment les mettre sur plus de moves, plus de charges, ce qui va donner une projection de ma boule à mon armée. Tout à fait. Et qui va grandement accélérer la partie. C'est clair. C'est tout pour ma phase de héros, pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que je vais faire? Grosso modo, je suis assez serein parce que mes Aridan vont pouvoir assez sereinement nettoyer cet objectif. Je vais essayer de déporter un petit peu ma FEP sur ce côté-là de la table.
Avec deux PC pour pouvoir relancer les charges, j'ai des charges à 7 relançables sur deux unités, donc je suis un petit peu plus serein. Je pense que je vais faire comme ça, la Mourne-Gull, etc. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense qu'on va avoir un affrontement très brutal. Et puis, grosso modo, mes chaînes rasp, des deux côtés, le but, ça va être de les désengager pour pouvoir aller flaguer l'objectif. Ici, si j'avais eu un rip-up intéressant de 3, j'aurais pu aller gratouiller avec 3 figurines, ce qui m'aurait permis de rester engagé potentiellement. Là, c'est un petit peu risqué, donc je pense que je vais plutôt les désengager et essayer de faire une belle grosse Alpha Strike avec toute l'armée. Voilà, fin de ma phase de héros et je vous ai dévoilé tout mon plan de mouvement. Suite à la fantastique phase de mouvement, alors c'est assez plaisant quand même de bouger quand on vole, qu'on a les cogs, qu'on C'est a de la vrai. fep, qu'on a tout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Nighthawn c'est top tier. C'est parti. Alors, déjà, mais mon gros rideau d'Aridane, lui, son rôle c'est surtout de debuff, ça n'a pas changé. Donc, j'ai tout avancé, j'ai avancé de 10, j'ai plus 2 à la charge, ça va me permettre d'aller chercher les cochons avec une sérénité certaine. Ensuite, j'ai redéplacé mes héros de ce côté-là de la table. Bon, ils ont. En fait, j'aurais pu les laisser au milieu de table, ça n'aurait pas servi à grand-chose parce qu'en fait, ils ont un tel mouvement que. Bon, bah, en fait, je me replace à peu près où je veux, surtout avec les cogs. Si j'ai le tour derrière, je crois que j'aurai toujours les cogs. Toi, je pense que si tu as le tour, tu vas aussi bénéficier des cogs. Tout à Donc, fait. t'as pas trop d'intérêt à forcément les conjurer. Non. On verra ça. J'ai laissé en arrière-cours lui, parce que malheureusement, j'avais bien envie de l'envoyer là-bas. Malheureusement, il a fait une course un peu naze, qui fait qu'au début de la phase de combat, il n'aurait pas pu filer plus une attaque pour ces unités qui sont arrivées de FEP. La grosse force de C'est frappe. ça. Donc là, il y a 10 Blade Guests, 12 Mirmourne, et j'ai collé mes deux héros devant. Pourquoi je les ai collés devant? C'est tout simplement pour que eux potentiellement puissent charger aussi en fonction des charges des petits copains Tout à fait. et donner leurs auras qui ne sont que à 12 et les apporter un petit peu, d'autant plus si j'arrive à charger et à taper en phase de charge, ça peut être super fort. Ici, j'ai replacé ma Mourne-Gull qui bouge de 14 avec les cogs, donc elle est à 7 des cochons, ce qui va lui faire une charge à 5 grâce au bonus de plus 2. Donc on va juste regarder un petit peu maintenant ce que ça va donner au niveau des charges. Ici, oui, évidemment, j'ai replacé mes unités de chaîne rasp. Je ne l'ai pas dit, là-bas, j'ai désengagé parce que j'ai pas d'intérêt à rester collé, histoire de marquer les points supplémentaires avec mes battle lines. Tout à J'ai fait fait. sensiblement la même chose ici. Donc, on va passer aux charges. On va commencer par les Aridanes. Allez, un petit 10+. C'est un 5 et 2, 7. Donc, je vais le garder, ça va me permettre d'aller charger. On va pouvoir passer aux autres charges. La Mourne-Gull, 7. Donc, Également, elle ça avait fait 5 à 9. faire. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas fantastique, mais ça suffit à C'est charger. là que ça, tout va se jouer. C'est ça, ici, ça va être assez important. On va commencer par les Blade Guests. Alors, je me suis mis partout hors des décors fatals et ici, un petit peu plus loin du décor étrangleur. Donc, c'est parti, les Blade Guests. Ouh, 9. ils font 9. Oh. Et de 11, je pense que je vais pas être joueur et je vais la garder. On va procéder tout de suite à celle des Mirmans de Banshee, ça change pas grand-chose. L'idée dans tous les cas, c'est que si j'arrive à passer, je vais laisser un petit espace pour mes héros. Donc c'est parti les Mirmans. 4, donc je vais payer un point de commandement pour la relancer. Tout à Il m'en fait. reste donc plus qu'un. Et elles font 9. Et ça va passer à 9. Voilà, donc là je vais placer mes unités, réfléchir un petit peu maintenant à si je fais mes charges avec mes héros et comment je les fais, puisque je ne vais pas avoir d'activation en phase de charge. Et nous faisons le point juste après. Alors là, on a une phase de charge qui est assez intéressante. J'ai pas pu évidemment taper en phase de charge. Par contre, c'est un peu le drame de cette armée, c'est-à-dire les bulles sont à peine plus grandes que les charges. Donc en fait, on se retrouve avec des héros qui sont très vite hors de portée. L'idée donc, c'est que j'ai laissé deux petits trous ici, un trou pour le Spirit Tourment et un trou pour le Guardian of Soul, en sachant que si j'ai un choix à faire, je préfère que ce soit le Spirit Tourment qui charge. Puisqu'il va permettre d'avoir une full relance des touches sur les Blade Guests qui sont ici. Et en plus, il tape un petit peu plus fort, ce qui fait qu'il pourra déjà commencer à faire un petit peu le ménage. Donc, en sachant aussi que là, j'ai été très, très, très précautionneux, puisque je me suis dit que j'allais laisser tout de suite les Blade Guests et les Aridanes entièrement à 12 de mes deux héros, au cas où je loupe mes deux charges à 7, potentiellement relançables une fois, parce qu'il me reste un PC. La Mourne-Gull, elle a chargé et on reviendra un petit peu plus tard sur les Aridanes qui sont tout là-bas et qui ont fait leur charge. Donc je vais commencer tout de suite avec la charge du Spirit Tourment. C'est le plus important, charge à 7. Il fait 7, ça passe. 7 Donc plus 2, même ça fait c'est 9. ça, 7 plus 2, 9. Donc je vais le placer juste ici et on va procéder à l'attaque du Guardian of Soul.
qui lui fait 12, et donc qui va pouvoir taper en face de Charles. Le plus nul de... C'est celui qui tape le plus mou. Moi, ça me va très bien. Je me fais troller. C'est pas grave. En tout cas, bah voilà. Donc du coup, je vais pouvoir avancer mes Blade Guests et nous retrouver pour la première activation. Je pense que je vais commencer par les Blade Guests pour nettoyer à tout prix les tabasses. Décor fatal avant de faire l'activation du Guardian of Soul en phase de charge. On va commencer par la Mongule. 3. Et le pack de Blade Guests qui est au fond, qui est collé au décor. 2. C'est bon. Donc on va faire tout de suite l'attaque du Guardian of Soul qui a laissé son double 6. Attention, je vais reprendre le même dé. Donc, il est en 3+, 3+, moins 1, 1. Petite particularité, il profite comme tout le monde des auras. Du coup, il a son plus 1 à la blesse. Et il a la reroll des 1 à la touche. Donc je suis en 2+. Hop, relance des As. Pardon, 3+, relance des As. 2+. Tu en as 2, reine moins 1. Dégâts 1 avec le Guardian of Soul dans les mecs de base. Dans les mecs de base. Donc du coup, c'est ma sauvegarde à 5 qui passe à 6. Ouais. Et mon Fino Pain à 6 derrière. Non, ça fait un mort. Mais voilà, on est pas mal. On va retirer. On fait les pertes après. Oui, oui, tu peux retirer maintenant. Okay. Et puis comme ça, l'idée, c'est que tu le retires le plus loin pour pas me laisser de place ici au piline. Et tout je vais à procéder fait. À l'activation très certainement de mes Blade Guests. Première activation, j'ai procédé au piline de mes Blade Guests. Donc c'est vraiment la force de frappe. J'en ai 10. Je me suis mis à côté, un petit peu plus loin du Savage Big Boss pour pas l'engager. Je vais donc taper mes 10 mecs dans les Stabas. J'ai donc 30 attaques. Alors, parce que de base c'est 2, j'ai plus une attaque en charge. Malheureusement, je suis un peu loin de mon Guardian of Soul. Knight of Shroud, pardon, qui, ah est, oui. qui a perpète. Donc, j'ai 3 attaques par mec, ça m'en fait 30. Il n'y a pas de chef dans cette unité, ça fait partie des unités qui n'ont pas de chef. Je suis en 3+, 3+, j'ai full relance des touches grâce au Guardian of Soul, et j'ai plus 1 à la blesse. Au Spirit Torment. Exactement, t'as raison. Full reroll des touches grâce au Spirit Torment, et plus 1 à la blesse grâce au Guardian of Soul. J'ai donc 30 attaques en 3+, full relance. Hop. C'est plutôt pas mal, même sans la relance. C'est ça, c'était franchement un beau 3+. Ah, ça c'est un peu moins beau. Du coup, j'en ai déjà 17 qui passent. Ok, bon, je vais faire ensuite les... Désolé, je suis un peu brouillon. Les 10 d'après, c'est 3+, relançable. Oula. Hop. Beaucoup plus de relance là. Voilà, une seule. Donc ça m'en fait 26 blesses et j'en ai donc 26 jets de blessure à 2. Nous allons donc procéder aux 26 jets de blessure à 2+. On commence par les 20 premiers. Hop. Donc ça fait 24, ça fait, ça 18 fait, pour déjà, l'instant. Ça fait déjà 18, plus, oula, 22. T'as donc 22 sauvegardes, reine moins 1, dégâts 1. Alors, reine moins 1, c'est annule ma sauvegarde de 6, donc ça sera directement 22 Finopain à 6. Oui, aïe, 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 aïe. Ouais, ça va piquer. Le prochain qui me dit que Nighthawn, c'est mou. attention, hein, que c'est pas OP. Hop. Et donc oui, comme je disais tout à l'heure, les Haridan, je les ai pas montrés, j'ai fait mon grand cordon comme ça. Et surtout, pas engagé ici, je me suis gardé la petite protection au cas où j'ai pas le tour. Revenons à nos moutons, 22 sauvegardes, 22 Feel No Pain à 6. Feel No Pain à 6, pour sauver les petits tabasses, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un dé qui était cassé. All Tricher. All Tricher, il a lancé. Et ça fait que 3, donc ça fait 19. Et donc, tu as combien de PV par tête? J'ai 4 PV par tête. Ouh. Qu'est-ce qui nous fait du coup assez mal. Ou le fail de maths. Ou le fail de maths. Donc 4 PV par tête, 19, t'en perds 4. 4 morts et il y en a 1 à 1 PV. C'est ça. Du coup, je vais enlever. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Ça fait vraiment très mal. On va enlever ça par ici. Et nous passons à la première activation, Bone Splitters. Avant de passer à la riposte, tu as une capacité quand tu meurs avec tes stabas. Exactement, donc quand un stabase, donc une figurine stabase meurt en phase de combat par une attaque de mêlée, sur un 4+, il inflige D3 blessures mortelles à une unité à 3 pas de lui. Et c'est 2+, si c'est un monstre. Mais là, en l'occurrence, du coup, ce sera sur les Blade Gaz, donc sur du 4+. J'ai donc lancé 4 dés. Ça peut me faire mal. Hein. 4 stabases qui sont morts. Et ça fera 2 D3 mortels. Ouais. Et ça fera 4. 4. J'ai évidemment mon Feel No Pain, puisque j'ai des héros qui sont entièrement à 12. Oh là 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 là, je suis vrai. Tu vois, c'est là que je me dis que je dois jouer le bataillon pour avoir le Feel No Pain à 5. Et ouais. Ça me fait le donc. Shroudguard. Donc ça fait donc 3 morts dans les Blade Guests. C'est ça. Et donc je vais par la suite passer à l'activation de mon unité de Savage Uruk. Nous allons donc pouvoir passer à l'activation de tes. Comment ça s'appelle? Savage Uruk. Savage Uruk.
qui vont donc. Donc il y en a 6 qui peuvent taper dans les Mimorn Banshee, dont mon chef, donc ça fera donc 13 attaques. Ouais. Sur du 4 plus 3 plus. Ne touche pas ces dés magnifiques, s'il te plaît. Ouais, j'ai pas du tout les limites, c'est plutôt pas mal comme j'ai. Ouais, c'est pas mal. C'est correct. Ça, c'est excellent quand tu joues, quand tu fais un jet très, très bon, voire scandaleux, tu dis c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour blesser, ce sera sur du 3. Et c'est beaucoup moins bien déjà, parce que ça ferait que 4 blessures. 4 blessures, j'ai une save à 4 éthérés. Mais moi c'est pas mal. C'est pas mal. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est ça. C'est pas mal. Il va vraiment falloir que Dada revienne ici pour remonter à moyenne basse. Et donc, ce sera la fin de l'activation. Ça va du rock. Très bien. Donc, du coup, je vais. Évidemment, je vais pas activer de ce côté-là hein, maintenant parce que je suis un peu plus tranquille. Du coup, avoir soit la Mandgoule, soit les Haridan. Activation des Haridan. Franchement, il est super stressant le géant avec le. Le petit caillou qui arrête pas de bouger. Qui arrête pas de se balancer, ouais. Il a qu'une envie, c'est de. C'est de foutre un coup dans Kurdos. C'est ça. Il y a moyen. Donc, ici, j'ai fait l'activation avec mes Haridan. Pourquoi? Parce que les Mirmondes là-bas, de toute façon, elles vont pas se faire taper par grand-chose. Les Black Guests ont déjà tapé. J'ai pas d'intérêt à taper. La Mandgoule, je suis assez confiant. Elle colle un moins 1 à la touche. Et ici, pourquoi les Haridan? Parce qu'en fait, je voulais pas avoir trop de pertes. Être obligé de casser un peu ce gros écran que j'ai mis là. Mmh. Et minimiser d'entrée le nombre d'attaques ici. Ça va être assez intéressant pour moi. Donc, c'est parti. J'ai 7 Mirmondes. J'ai 3 attaques par tête, ce qui me fait donc 21. Plus une avec la chef, 22. Donc, j'ai donc 20 attaques qui vont toucher sur du 4. Oula. C'est pas terrible, terrible, hein. Ça y est, ça commence un peu la pression. Ça commence à tilter. Donc ouais, on a un joli 7 sur 20. Alors par contre, il me manquait 2 dés ouais, quand même. Il manque 2 attaques. Ah, excellent. Bon, je vous avoue que je suis un peu triste. Là, je vais blesser sur du 3. Les 6 à la blesse vont faire dégâts 2. Ben voilà. Ça, c'était un 6. Je triche un petit peu. Tout à fait. Donc c'est parti. Ça t'en fait 4 reine moins 1, dégâts 1. Et 2 reine moins 1, dégâts 2. Donc je vais faire d'abord les 4 reines moins 1 dégâts 1. Donc ça fera une save à 6, donc 0. Excellent. Ensuite les 2. Ensuite les 2 qui sont dégâts 2. 0 toujours. J'en réussis 0 toujours. Donc ça fera 4 Fin of Pain pour celle-ci et 4 Fin of Pain pour les premières. Ce qui fera en tout 8 Fin of Pain. Ce qui fera 2 morts. Disons-le. Sur du 6. Et ce qui fera effectivement 2 morts et 1 PV. Et 1 PV. Tout à fait. Bon. Faut dire qu'elles ont fait le taf, puis maintenant il va y avoir le taf de bravoure. Ça on verra après, mais je suis confiant là-dessus. Bon, je vais pas vous mentir, j'espérais un peu plus de cette activation, mais le 4+ m'a réellement mis au fond du trou. Donc on va passer à l'activation Bone Splitters. Donc petit plan large de l'état de la table avant que j'investisse dans une caméra zénitale qui sera sûrement du meilleur effet. Donc activation. Ici, de toute façon, bah, ça sert à rien que t'actives. Et là-bas, t'as assez peu d'intérêt, parce que de toute façon, tes tabasses ne pourront plus se faire taper par les Mirmondes. Exactement. Du coup, activation des 4 cochons d'Inde. Tout à fait. Et donc, du coup, je vais. Donc, quand je paille à 3 pas d'un monstre, je peux choisir un bonus, qui sera donc soit le plus dans la touche, soit le fait de faire des 6. Sur des 6 pour blesser, de faire une blessure mortelle. Et celui que tu as choisi, le feeling de 6. Choisi... Et celui que j'ai choisi, du coup, c'est d'avoir plus 1 à la touche. Comme j'ai pas chargé là, je touche que sur du 4, donc je préfère avoir plus 1 à la touche pour toucher sur du 3. En sachant que tu as moins 1 à la touche de la Mandgoule. Du coup, ça me repassera à 4+. Donc ce sera du 4+. Donc je fais les montures et les. Oh là là, le dernier dé qui change les dés, c'est fantastique. Exactement. Oh le niveau. La touche, donc on va enlever tous les 2 et les 3. C'est à ça qu'on reconnaît les bons tournoyeurs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un dé en main qui lance sur les dés qui ont fait 1 ou 2 pour tenter de les changer. C'est des techniques, ça, c'est ça, c'est vraiment réservé à l'élite. Ouais, tout à fait. Et je vais donc blesser sur les 3. Waouh ! Ah oui ! Et là, c'est un petit peu mieux. Ah, je m'attendais pas à ça. 10 sauvegardes. Ils ont tapé beaucoup plus fort qu'en chargeant tout à l'heure. Ouais, je suis sous le choc. Donc j'ai une sauvegarde éthérée à 4. Et par contre, j'ai pas de Feel No Pain, donc il n'est pas question de faire le même jet que les Haridan. Hein. C'est plutôt très correct. Ouais, ça nous fait. Je prends 4 dégâts. 4 PV. Bon, ça va me faire passer dans un palier dégressif. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. J'accepte. Très bien. Donc je vais passer tout de suite à l'activation de mes Mirmournes. J'ai menti, je vais pas activer les Mirmondes Banshee, parce qu'en fait, si j'active le Spirit Tourment, voire le Guardian of Soul, même s'il a tapé en phase de charge, il va avoir le droit de taper, je vais pouvoir me faire de la place pour les Mirmondes Banshee, qui vont pouvoir passer par-dessus
et maximiser un peu le nombre. Donc on va commencer par le beau gosse qui est le Spirit Tourment. Il a 3 attaques qui sont en 4 plus 3 plus. Il est à portée de lui-même et du Guardian of Soul. Il est donc en 4 plus relance des As, 2 plus. Tout à fait. C'est parti. Oui. Déjà un 2. 2 plus. Oui. Reine moins 2. Donc je n'ai pas de sauvegarde. Des 3 dégâts. 1. Non, non, non. Ce sera un Final Pain 6 qui va être réussi sous vos yeux. Et voilà. Donc on l'annonce. Et ça marche. Scandale. Très bien. Activation des Stabas. Tout à fait, donc les Stabas ils ont 3 attaques par tête, donc ça fera 6 attaques. Il y a eu une phase de réflexion quand même pour savoir si tu snipais un héros ou si tu allais tenter d'attraper les Mirements de Banshee. Tout à fait. Puisque le Spirit Tourment permet quand même en phase de déroute de ramener des 3 figurines. Exactement, mais comme les Mirements de Banshee n'ont pas encore tapé, je vais essayer de maximiser les pertes sur elles pour essayer de subir le moins possible derrière. Je viens de dire une bêtise, c'est des 3 points de vie, hein. c'est pas le trait de co. Très bien. Oui, tout à fait. Donc du coup, 6 attaques des Stabas dans les Mirements. Sur du 3, ouf. Ouais, y a un raté, c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de refaire la même chose sur du 3 pour blesser. Et c'est un petit peu moins bien, mais ça fera quand même 3 sauvegardes, donc normalement Rennes moins 2. Et là, comme t'es Night One, tu t'en fous. Et voilà. Oh là 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 là. Je t'apprends. Cette insolence. Bah, du coup, je reprends les. Je vais pas écouter les conseils de Dada et je vais reprendre les mêmes dés. Et je vais taper avec mon Guardian of Soul dans tes Savage Rook. Le but étant d'essayer d'en nettoyer un pour qu'elle ait un socle ou deux de plus. Donc c'est parti, j'ai 3 attaques en 3 plus relance des As. Voilà, c'est pas la folie ça. 2 touches. 2 plus. Allez, un petit 2, comme ça je peux avoir une chance d'en nettoyer un. Ça fera 2 sauvegardes, donc reine moins 1, c'est ça? Reine moins 1. Donc sauvegarde à 6. Et non. Finopane à 6. Allez. Et important mine de rien. Et ouais, parce que ça fera un mort de plus dans l'unité. C'est ça. Et donc, rien du tout en fait. Je suis trop bête. Et effectivement, ça fait pas grand chose. C'est vrai que je suis un peu bête. Il n'y avait pas d'autre endroit à taper plus important de toute façon pour le moment. Je me suis senti couillon. Donc, bah, du coup, par contre, toi ici, tout a tapé. Oui. Ici, t'as tapé. Tout à fait. Il te reste juste les 3 cochons qui sont ici. Ouais. Qui... Alors, petite particularité sur les Raidan, tu as 5 ou moins de bravoure. Tu vas donc être affecté par un moins 1 à la touche. À savoir que, règle particulière des Raidan, ça s'applique par figurine. Donc, le malus se fait par figurine. C'est-à-dire que si tu avais eu des figurines qui étaient à plus de 3 pouces des Raidan, en tapant sur une autre unité, tu n'aurais pas eu le moins 1 à la touche sur ces figurines. Mais donc, là, tu es Je suis dans la zone d'effet. Donc du coup, je vais lancer mes attaques des trois cochons restants. Donc eux n'ont pas de bonus, donc ce sera du 4 plus 4 plus, moins 1 avec ton malus. Donc ce sera sur du 5, ça ne va pas faire grand-chose. Il n'y a que 3 touches, c'est moche. Et qui blesse à 4, une seule. Impressionnant. Eh oui. Que je vais sauver sous vos yeux ébahis. Et j'ai trop trollé. Et en plus, je ne suis pas à portée de mon Feel No Pain. Et donc, je vais perdre une Haridan. Je vais retirer celle-ci puisqu'elle ne servait à rien. Et j'ai encore l'objectif. Tout à fait. Donc, voilà, du coup, tu n'as plus d'activation. Non. Moi, je vais procéder à l'activation de mes Mirmont Banshee et de ma Mongoul. On va donc commencer par l'activation de la Mongoul. Normalement, de base, j'ai 8 attaques. Je n'en ai plus que 7 parce que j'ai pris 4 points de vie. Donc j'ai 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Ouf. Ouais. Blessé sur du 3. Oui. 3, reine moins 1. Dégâts 2. Donc pas de sauvegarde étant donné... sauvegarde à 6, pardon. Effectivement, vu que reine moins 1, je passe une sauvegarde à 6. Toujours pas. Ça ne veut pas venir. Je crois que tu n'as fait aucune sauvegarde à 6. Je crois, effectivement. Et moi, je crois que j'ai réussi toutes mes saves éthérées à 4, sauf une. Ouais. Ça va changer vite toutes tes deux, ça, tu vas voir. Et donc du coup, ça fera 6 Finopain. Et un seul. Bon, ça te sauve un cochon. Ça me sauve effectivement un cochon. Donc tu en perds un, et moi j'ai tué une figurine, je vais donc avoir la possibilité de me soigner de D3 points de vie. Un, bon, on peut mieux faire. Qui te remet peut-être dans le palier. Non, c'était 3-4 sur ce palier, je suis donc tristesse et vais passer à l'activation de mes Mirmournes. J'ai donc procédé à l'activation de mes Mirmournes. J'ai collé au maximum que je pouvais, j'ai réussi à en caler une juste dans le dos, ce qui va donc me permettre d'activer mon unité sans les 4 derrière qui malheureusement n'ont pas la portée puisque c'est 1 de portée. J'ai donc 8 attaques qui vont normalement être en 4 plus 3 plus. Je vais être en 4 plus relance des As, 2 plus. C'est parti. Oula. Relance des As, heureusement. Heureusement, la relance des As. Fais-moi plaisir. Je suis heureux. Et là, j'en ai 5 qui sont passés en 2 plus. Je crois que j'ai dit 3 plus. Tu en as 5, reine moins 2.
Dégâts des 3. Donc 5 Raymond 2, je n'ai donc pas de sauvegarde, ce sera directement 5 des 3. Oula, 11. Ouf. D'accord. On est toujours très stats sur cette partie depuis le début. Oui, 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 c'est important. Donc ça fera 11 Finopain à 6. Et genre ici, un seul. 10 dégâts. 10 dégâts, donc ça fera 5 morts. Sachant que... Non, personne n'était blessé encore, donc non. Ça fera 5 morts. Par contre, tu as toujours ton petit bonhomme là-bas qui a 1 PV. Tout à fait. Très bien. Donc on va procéder à la phase de déroute. On fera un petit peu le ménage. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quand même des tests de déroute un peu partout. Tout à fait. Et ici, moi, de mon côté, je vais quand même pouvoir ramener des 3 PV de Blade Guest revenant. J'ai pas perdu de Mirmonde. Donc, grâce à l'aptitude de mon Spirit Tourment au début de phase de déroute, je vais en ramener des 3. C'est important que ça soit au début parce que potentiellement, comme tu vas avoir tes pertes après, je pourrais pas les placer à l'endroit où auraient été retirées tes figurines. Des 3. 3, évidemment, évidemment, c'est important. La statistique, nous la pression. Oui, tout à fait. Toujours très équilibré encore. Exactement. Et puis, donc on va faire un peu le nettoyage et procéder aux déroutes. Nous passons donc à la phase de déroute. Alors ici, petite erreur de ta part dont on s'est aperçu, ouais, c'est qu'en fait, tu voulais retirer tes figurines de ce côté-là pour pas me laisser des Mirmondes taper en plus. Par contre, les Mirmondes se sont beaucoup craqués sur leur jet et même si elles n'ont pas été beaucoup à taper, ça t'a fait retirer pas mal de figurines là. Et vu que c'est pas ton général, tu n'as que 6 de portée Within pour Immune Bravoure. Tout à fait. Ce qui du coup fait que je ne peux pas claquer un PC pour Immune mon pack de Savage Oak. C'est ça. Et donc du coup, toute l'armée va devoir tester. Exactement. Donc on peut commencer par ces petits gars-là. Tu en as perdu 7 à ce tour-là. Ouais. T'as moins 1 à la Bravoure, donc c'est comme si tu en avais perdu 8. Tout à fait, donc ça va partir à mon c'est avis. Ça, il t'en reste 3, voilà. De toute façon tout saute. Les Stabaz également, donc eux il y a peut-être une chance sur un 1 ou un 2 qui reste, malheureusement non. Donc ça saute aussi. Exactement. Ici, tu as une bravoure à 6. Oui. Donc moins 1, 5, tu en as perdu 1, donc tu vas en reperdre 1. Ça fait 5 plus 1, 6, c'est ça, donc j'en ai 1 qui va partir. Oups. Et là-bas, par contre, tu en as perdu 2, donc sur un 4, tu en perds 1, et si tu fais 6, tout le monde se barre. Non. Alors. Ici, ça reste. Très bien. On va retirer ce qui s'est barré et faire le décompte. Concernant le décompte des points. Donc ici, je suis tranquille. J'ai marqué 2 points parce que c'est l'objectif primaire. Plus 1 parce que j'ai une unité de line que j'ai désengagée. Ici, bon, je suis loin de l'avoir. Et ici, j'ai mes petits chain rafts qui me permettent de marquer un point supplémentaire. Comme j'ai l'objectif, je vais en marquer 2. On est donc sur un score de 7 à 5. Et on va regarder tout de suite quel objectif vaut 3 points. Donc dans le même ordre qu'au premier tour. 1. Donc c'est l'objectif qui est ici. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ouais, je crois aussi. Maintenant, ce qui va déterminer la suite, c'est de savoir qui va jouer c'est ça. Premier au tour 2. Donc nous allons procéder tout de suite au jet d'initiative. Un petit 4, un petit 2 de ton côté. Exactement. Je vais procéder à une phase de réflexion. Donc j'ai pris ce tour en Night Taunt. Alors, là j'ai quand même pas mal d'unités sur la table et j'ai tous mes héros. On va commencer déjà par, évidemment, le trait de commandement de mon pardon, je suis complètement perdu. Mon général qui va faire ramener la Haridan qui était décédée. Mm-hmm. Donc elle va être plein, l'unité va être à effectif plein. Ensuite, je vais utiliser le Reaper Seat avec mon Spirit Tourment qui va lui permettre sur un 4+ d'être full reroll des touches et des blesses. Je fais 11, ça passe solidement. T'as combien de sorts à lancer encore ? J'en ai un sur le Spirit Tourment, un sur le Guardian of Soul et un sur Reikenor. D'accord, bah du coup je vais tenter de dissiper parce que je vais avoir 3 disciples de mon côté aussi. Très bien. Donc je vais tenter de dissiper avec mon Wardock. On sait jamais, un 12, non. Non. Ensuite, mon Guardian of Soul, ça sert à rien qu'il ramène des 6 figurines. Il va tenter plutôt un Shade Mist sur l'unité de Blade Guest. Alors là, l'intérêt en fait c'est vraiment de faire ça sur l'unité qui va taper en deuxième. Donc je vais avoir les Blade Guest ou les Mirmourne. Je pense que je vais faire taper les Mirmourne en premier parce que je vais pouvoir leur filer une attaque supplémentaire avec lui. D'un autre côté, les Blade Guest tapent très 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 fort, donc je suis un petit peu perdu. Bon allez, on va tenter, je vais faire le Guardian of Soul sur Shade Mist sur les Mirmourne Banshee. Ça fait 9. Des bons jets de sort. Hein. Ouais, je vois ça, on reste haute dans les stats oui, encore. Oui, c'est important. Je vais tenter de dissiper du coup avec... Il paraît que quand on joue une armée mauvaise, il faut compenser. Faut compenser, ouais, je comprends. Tenter de dissiper avec mon général... Et non. 4, quel manque de talent. Ouais, c'est là la c'est magie. Affligeant. Ouais, c'est triste. Reikenor, alors il va tenter de mettre un trait magique, un petit blast dans cette unité, puisqu'il y a une figurine à 1 PV. Il va d'abord s'infliger une blessure mortelle.
D'ailleurs, erreur, mais il s'est quand même infligé une blessure mortelle tout à l'heure, j'ai Au oublié de le premier dire. tour, oui, tout à fait. Donc du coup, Feel No Pain à 6? Non. J'ai donc plus 3 au cast, et je vais pouvoir lancer maintenant un trait magique dans les cochons. L'intérêt est de faire plus 7 pour aller chercher le D3. 5, ça fait 8. Ouais, Donc alors je ça vais fera. vérifier la portée pour savoir si je suis dans les 30 pouces. Oui, c'est bon. Je vais tenter de dissiper avec mon général pour sa deuxième dissipation. Sur du 9. J'ai lancé un dé qui est cassé. Tu as vu cette technique pour modifier un C'est dé? talentueux. Bon, allez, j'accepte parce que vraiment, je suis grand prince. C'était un 4, donc du coup, ça fait. Voilà. Oui, ça fait 12, oui, bien sûr. Ça fait 12? Non, 4 et 6, 12. mais. Pour ma phase de héros, c'est tout. Je vais, grosso modo, le but, ça va être d'impacter fort ça. C'est un peu embêtant parce qu'il a une super sauvegarde, il est en 3+. Moi, d'un côté, il faut absolument que j'arrive à sabater. Donc, c'est parti, je vais ramener tout le monde et puis on va voir ce que ça donne. Donc, phase de mouvement. Encore une phase de mouvement très prolifique côté Nighthaunt. Alors, ici, je suis resté engagé puisque je suis assez serein que ça tienne et en plus, à la bravoure, sur un malentendu, je peux peut-être en wipe encore un. Ici, je me suis mis toujours plus loin, toujours plus courageux. C'est une unité qui me rapporte mine de rien un point par tour sur l'objectif, donc c'est à garder. Ici, j'ai rabattu fortement avec toutes mes Mirmourne, mes Blade Guest et tout le monde. J'ai des charges automatiques, hein. L'idée, ça va être vraiment d'aller nettoyer au maximum. Lui, à quoi il sert? En fait, il est juste venu ramener son aura au début de la phase de combat pour ramener des attaques supplémentaires parce que j'ai deux PC. Cette unité a couru. Mes Aridan sont restés engagés. Mon Kurdos a couru pour fuir. Cette unité n'a pas bougé. Et mon Raikkonor, qui avait un mouvement de 14 plus 2, 16, s'est donc mis sur le côté pour être sûr de finir l'unité de poney sanglier. C'est comme ça qu'on les appelle. Des cochons, Des cochons. tout simplement. Et on notera quand même que Kurdos a refusé le duel avec le géant et a Ouais. fui lâchement de l'autre côté du décor. Ouais, C'est à noter quand on même. n'est pas fou parce que bon, on va voir à ton tour ce que fait le géant, mais personnellement, Ouais. il m'angoisse un petit peu. Donc c'est parti, là le but du jeu, en fait, ça va être de voir si j'arrive à faire des charges à 10+. On va commencer par Raikkonor pour voir si j'arrive à taper en phase de charge. Je fais 7. Bon, donc il va réussir à charger dans la plus grande simplicité. On a oublié quand même que j'avais quand même ici un décor fatal. Tout à fait. Je fais 6, des 3 BM. Non, c'est sur un 1. Ah, bon, c'est pas de BM. Tout à fait. Ça va bouger, très bien. Donc j'ai fait ma charge, désolé, c'est un peu décousu. Je vais réfléchir 2 secondes sur l'ordonnancement de mes charges avec mon gros pack tout là-bas. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il faut que je charge d'abord avec le Spirit Tourment et le Guardian of Soul? Je suis dans une situation qui est quand même beaucoup plus confortable que tout à l'heure au niveau espace. Et donc je vais quand même pouvoir charger tranquillement avec les Blade Guest, me laisser un petit peu de place autour du Big Boss. Pour pouvoir placer mes socles avec mes auras, mes debuffs et toute la clique. Donc c'est parti, on va commencer par les Blade Guest. Vont-ils taper en phase de charge? Je fais 6. Plus Je de vais 8. réfléchir. Je vais réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de la relancer ou pas? Je vais réfléchir. Donc là, évidemment, je les fais un par un parce que les ordonnancements de charge sont très importants en Nighthaunt. Donc, mes Blade Guest ont chargé. J'ai mis tout le monde à portée. J'ai pas snobé le Big Boss. Il va me servir de tremplin pour mes 2 héros. Et en relais d'aura. Donc je vais charger avec les Mirmourne. Allez, un petit 10+. Non, s'il vous plaît. Je fais 4. C'est pas une fantastique charge pour le coup. Plus 2, ça fait 6 quand même. Oui, mais en fait là, j'ai quand même des figurines qui sont très loin. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai 2 PC et ça va quand même valoir le coup de la relancer celle-ci. Ça paraît effectivement plutôt une bonne chose. Là, je fais 7 et 2, 9. C'est ça. C'est beaucoup mieux pour moi. Et je vais placer tout ça. Alors, on va voir s'il va se passer la même chose que tout à l'heure, à savoir que mes gros packs n'ont pas réussi à taper en phase de charge, mais peut-être, je serai assez content que ça soit le Spirit Tourment qui le fasse. Donc, on va charger d'abord avec le Guardian of Soul. 6, c'est suffisant. Et le Spirit Tourment, allez, allez. 7, bon, ça me fait 9. 9 et 8, c'est largement suffisant. Je ne vais pas charger avec le reste. Mon Raikkonor, lui, il a chargé avec son petit 7. Et nous allons donc nous retrouver pour le début de la phase de combat et les effets de début de phase. Alors, pour le début de la phase de combat, j'ai fait un truc qui n'est pas super optime et je vais vous expliquer l'idée. Pourquoi j'ai avancé mon mec monté, c'est uniquement pour avoir le bonus de plus une attaque au début de phase de combat à 18 pouces. C'est très intéressant de le mettre sur les Mirmourne. Par contre, je veux absolument taper avec les Blade Guest en premier parce que le 1 de Rend de différence, il est intéressant, mais il n'est pas monstrueux. Et les Blade Guest sont quand même hyper fiables. C'est de la 3+ relançable 2+. Je suis relativement serein que ça se passe bien. En plus, les Mirmourne, elles ont un moins 1 pour être blessées. Donc, globalement, j'espère qu'elles vont tanker un peu mieux. Par contre, le plus une attaque, il est beaucoup plus intéressant sur les Mirmourne.
Mais j'ai pas envie de prendre le risque potentiellement de le mettre sur eux, enfin sur elles, qu'elles se fassent wipe, et que entre guillemets je tape d'une part moins fort avec les Blade Guest, et en plus que je gâche un PC. Donc tant pis, on va la jouer comme ça en mettant une attaque supplémentaire sur les Blade Guest, donc je n'ai plus de point de commandement. C'est ça, tout Et à donc fait. les Blade Guest sont à deux attaques, plus une parce qu'ils ont chargé, plus une grâce à l'aptitude de commandement de mon Knight of Shroud. Donc, j'ai 40 attaques qui vont être en 3 plus relançables de plus. Donc, c'est parti. Je jette deux fois les 20 dés. Waouh! Un talent certain. 3 plus. Donc, ça m'en fait 18 pour le moment. 18. Je vire mes chronomantiques cogs. Hop! J'ai du mal. Tant pis, je vais le faire en deux temps. 3 plus relançables. Alors, tac, tac. Un peu moins bon. Ouais, carrément. Relançable. Excellent. Donc ça m'en fait 36. Tout à fait. Donc on va jeter 2 fois 18 dés en 2 plus. C'est donc parti 36 jets de blessure à 2 plus. Waouh. Bah, ça fait 18. Je suis navré. Ça commence pas. Attention, le deuxième de plus. Oh zut. Il y a Donc, 1-1, c'est ça? il y a 1-1 sur 36 dés, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Eh ben, écoute, c'est très simple, j'ai 36 dés moi ici, Donc donc tu as 35 sauvegardes. je vais en enlever 1 et puis je vais lancer le saut. Alors là, tu es en 3+. Je suis en 3+, effectivement. Donc tu passes en 4+. Je passe en 4+, et j'aurai mon Phinopain à 6 derrière. Donc C'est 7 à ça. 4. Ouh, j'ai un petit cassé là quand Bon, ça même. va, c'est pas mal. Autorise. Donc là, ouais, bon, j'ai clairement été très, très, très surstat. Parce que 35 sur 40 attaques, C'est monstrueux. c'est pas mal comme on dit. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Moi, par contre, mon 4 plus de sauvegarde, on voit qu'il est Nous vachement. n'en parlons pas. Voilà. Et le Phinopain à 6, du coup. Bah, il est magnifique aussi. Non, ça va, c'est 3. 3. C'est pas horrible non plus. Mais ce qui va nous faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts et 1 point de vie. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, pour une activation d'une seule unité. Et donc là, on voit quand même le problème un petit peu des Nighthawks, c'est que si on imagine que j'avais fait ça en phase de charge Ouais. et qu'on recommence derrière en phase de combat, en fait, voilà, on est très dépendant de cette charge à 10+ non modifiée qui, en fait, qui a tendance à énormément polariser les parties parce que voilà, si ça passe, c'est monstrueusement fort. Surtout qu'on n'a pas les effets de début de phase de combat qui peuvent s'appliquer par l'adversaire. Par contre, si ça passe pas, on se retrouve à taper normalement avec les règles de tout le monde. Donc, fin de mon activation et on va passer à celle côté Bone Splitters. Donc, évidemment, tu vas procéder à l'activation de tes Savage Rook. Après ton Piline, tu en as 9 qui vont taper dans les Mirmourne C'est ça. et 6 qui vont taper dans les Blade Guest en sachant que tu as 3 attaques par mec et moins 1 pour blesser les Mirmourne grâce au sort Shade Mist. Tout à fait. Donc mon 3+, 3+, ça va donc passer en 3+, 4+ sur les C'est mirements. ça, parce que tu t'es mis un plus 1 à la touche jusqu'à ta prochaine phase de héros au premier tour. Exactement. Donc je vais commencer par mes attaques sur les Blade Ghast, du coup. Donc Donc j'aurai 18. 18 attaques, effectivement, sur les 3+, 3+. Hop, on va enlever les 1 et les 2. Pas mal. C'est pas mal. Et Maintenant, on va voir ensuite, si tu es solide à la blesse. c'est ça, c'est ce qui pêche en général. Ça Et va. ça va, c'est un petit peu moins bien, mais c'est pas mal. Donc tu vas avoir 8 sauvegardes, s'il te plaît, dans tes Blade Ghast. Rassure-moi, c'est dégâts 1. C'est dégâts, hein, tout à fait. Donc moi, j'ai 8 sauvegardes à 4. J'en sauve 4. J'ai 4 Feel No Pain à 6. J'en sauve 1. Ça me fait 3 morts. 3 morts, bon. Et ensuite, 27 attaques, donc 3 mecs de plus, donc 9 attaques en rab dans les Mirmans de Banshee. Tout à fait, donc sur du 3+, 4+. C'est ça, grâce au debuff. Grâce au debuff. Donc le 3+, plutôt correct. Ouais. Et ensuite, Le 4+ le que 4. personne n'aime lancer. Exactement, surtout pour blesser. Bon. C'est pas si mal. Hop, ça c'était un 3. Et donc ça te fera 10 sauvegardes dans les mirebandes. C'est parti, j'ai 10 jets de sauvegarde à 4. Waouh! Waouh, ça je préfère Ça fait déjà. 7. Ouais. Feel No Pain à 6. Eh Ça me ben fait 6 écoute, morts. c'est pas mal. Donc moi je vais. Donc ok, donc fin de ton activation.
Je vais retirer 3 Blade Guest et 6 Banshee. Nous passons donc à mon activation. Là, j'ai pas mal le choix. Soit j'active ma Mangul, mais c'est pas forcément hyper intéressant. Soit j'active ici mes Aridane, c'est pas super intéressant. Raikkonor, au pire, il se fera taper par un mec parce que tout est loqué. Ou deux, éventuellement, mais bon, de toute façon, il mourra pas. Il a pas de profil dégressif. Par contre, ici, il y a cette espèce de kamikaze là, de Savage Boss qui me fait un petit peu peur. Et en sachant que mon. Comment il s'appelle? Spirit Torment. Spirit Torment, désolé, je suis un peu en bug. Et full reroll, qui tabasse quand même Rennes moins 2, je pense que je vais l'activer lui. Donc c'est parti, il a 3 attaques en 4 plus full relance. Full relance, allez, sois cool. Voilà, 3 plus full relance. Ouh là là, franchement, c'est la relance qui fait tout. Oui, 3, Rennes moins 2. Mais je n'ai pas de sauvegarde, tu peux dire. 3 des 3, t'as 6 PV. J'ai 6 PV, tout à fait. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais avoir 7 Feel No Pain, il faut que j'en réussisse 2 pour pas mourir. Est-ce que... Ça serait vraiment la défaite totale de perdre mon Savage Big Boss. Et on fait bien sûr qu'un seul Feel No Pain, ce qui fait exactement 6 PV et qui le tue. Et comme on dit à la télé, le compte est bon. Putain. Ah, on a entendu le petit putain. Activation. J'ai pas assez chuchoté. Bonne splitters. On passe donc dans la grande tristitude de l'événement tragique. Tout à fait. L'activation des petits cochonous. Oui. Qui s'appellent Justin. Tout à fait. Donc du coup, qui vont essayer de one-shot. On y croit. On y croit. Donc j'ai toujours moins 1 pour toucher. Toujours moins 1 la touche. Donc ça sera sur du 5. Wow. C'est un beau 5+, plus, plutôt correct. Et donc je vais blesser sur du 4, parce que je n'ai pas chargé. Et donc ça sera 2 sauvegardes. À 4. Non. Et puis je prends 2 dégâts du coup. Et ça par contre, ça me fait passer dans mon palier d'après. Voilà, c'est bien fait pour sa gueule. Ensuite, j'ai déjà fait mon peeling ici. J'ai 9 Aridane qui vont pouvoir taper, dont la boss. Ça me fait 27 attaques, plus une, 28. Je vais donc prendre 14 dés. 5, 10, 14. Effectivement, il m'en reste 6. Et donc je suis en 4+. Waouh. C'est peut-être ces cochons-là qui vont survivre, hein, on ne sait pas. Pas mal. Alors, c'est un 4+, ok. 3+. Ça, c'est dégâts 2. Donc 3 dégâts 1 et 1 dégâts 2. Donc je vais faire les 3 dégâts 1. Ouais. Les 3 dégâts 1 ici, du coup. Sauvegarde à 6, c'est raté. Et donc la sauvegarde dégâts 2, c'est raté également. Donc ça nous fera en tout 4 Feel No Pain. 5. 5. 3 à 1 et 1 à 2. Autant pour moi. 5 Feel No Pain à 6, et c'est tout raté. 5 PV, ça te fait donc... Lui fait qui donc, a resté plus que 1. C'est ça, fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Donc de toute façon, il te reste que ça à activer, a priori. Tout à fait, autant le faire tout de suite. Et donc, ce n'est pas mon chef, c'est mon porte-combat. Lui, il n'a pas pris de dégâts par contre. Hein. Si, parce que du coup, j'avais 1 PV, ça fait 4. Ah oui, c'était les PV 5. Restants, ouais, pardon. Tout à fait. Donc il lui reste 2 PV, et il va balancer du coup ses 4 attaques. Bon, il va tout mettre dans Raikkonor parce que tant qu'à Allez, faire. Pour la classe. Voilà, ce sera sur du 4. Et enfin, moins 1 la touche. Ah bah, c'est sur du 5 du coup. Okay. Donc ça ne faisait rien du tout. Rien du tout. Bon, et donc je vais pouvoir enchaîner mes activations maintenant et nettoyer de la peau verte. Je vais faire toutes mes activations maintenant parce que t'en as pu. On va commencer par Raikkonor. Il a 4 attaques en 4 plus 3 plus. Ok, 3 plus. Ouais, une reine moins 1. Je vais faire là tout de suite save à 6 du coup. Non, j'en ai pas fait une depuis le début. Dégâts 2, ça fera 2 Feel No Pain pour ses 2 PV restants. Et il en sauve 1, il en reste 1 PV. Ensuite, j'ai les attaques des montures, c'est du 4+. 4+. Non. Et il va tenir. Et il va tenir. Bon, peut-être pas très longtemps parce qu'il y a la phase de bravoure qui va arriver derrière. C'est ça. Ensuite, la Mangul, elle a ses 6 attaques parce qu'elle a pris 5 PV, c'est du 3+. Ouais, on est toujours bon. Hein. Ouais, on est toujours pas mal. 3+. Oh là 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 là. 5. Rien de moins 1, dégâts 2. Donc 5 sauvegardes à 6. Allez, est-ce qu'on a... Oh, on a réussi 2 cette fois-ci. Mais ça fera quand même du coup 6 Feel No Pain derrière. Pour les 6 PV qui me restent. Et on a réussi un seul. Ce qui fera que un cochon survivra avec 1 PV. C'est ça. Et moi, je me soigne de D3. 3, évidemment. Je vais donc procéder aux attaques des Banshees. Donc c'est parti, j'ai pas mis, elles ont rien dispel, elles ont vraiment une attaque par tête. Donc j'ai 6 attaques en 4 plus relance des As. On peut mieux faire. 2 plus. Oh là là. 1, rien de moins 2.
Donc reine moins 2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Et c'est réussi. Première sauvegarde réussie de la partie. Quasiment. C'est ça. Et ensuite, ici j'ai quand même le droit à un peel-in, donc je peux pas m'éloigner. Donc je vais me mettre comme ça pour me ramener un tout petit peu. Mais je ne pourrai pas taper. Tout à fait. Voilà, donc j'ai tapé avec tout. Ça marque donc la fin de cette phase de combat. Ouais. Qui a été assez violente, mine de rien. Ouais, tout à fait. Surtout que moi, j'avais pas la possibilité de. Normalement, j'aurais pu claquer ma bigwag sur une phase comme ça, mais j'ai plus qu'un PC pour immune bravoure, donc je n'ai pas pu le faire. Ouais, tu vas la garder. Donc, on va pouvoir procéder aux phases de déroute. On va faire ça tout de suite. Déjà, on va commencer par le plus important. Début de la phase de déroute, mon Spirit Tourment va pouvoir ramener des 3 points de vie dans une unité. Donc, je vais juste réfléchir 2 secondes si je le ramène dans les Blade Guest ou dans les Banshees. En sachant que j'ai perdu 6 Banshees et 3 Blade Guest, je vais plutôt ramener des Banshees. J'en ramène 2. Effectivement. Voilà. Donc, test de déroute de mon côté, les Blade Guest, j'ai 10 de bravoure. J'ai 10 de bravoure, j'en ai perdu 3, je ne risque rien. Tout ensuite, par contre, les Banshees, même si j'en ai perdu 6 et ramené 2, j'en ai quand même perdu 6. Et j'ai 10 de bravoure. Donc maintenant, je ne suis toujours pas 10, donc j'ai pas mon bonus de bravoure. J'en perds des 6-4. 1. Donc je n'en perds pas. Donc je vais pouvoir ramener 2 mirements de Banshees. Et de ton côté, il y en a par contre. Alors de mon côté, il y en a effectivement. J'ai perdu 2 cochons de ce côté-là. J'ai une bravoure de 5. Ce qui fait que on sera bon sur le test de bravoure de ce côté-là. Ouais. De l'autre côté, on va faire l'autre cochon qui ici a perdu 2 copains aussi. Donc okay. Ça va être la même chose. Et un peu tout seul. Et lui, ça sera peut-être pas bon. Là. Et lui, ce sera pas bon parce que du coup. Ça fera 4 plus 2, 6. Et le debuff de Nighton qui fait 7. Tout à fait. Qui fait donc 1 de plus que ta bravoure. Et ensuite, ton gros pack. Et ensuite, le gros pack. Ici, je vais pas chercher à réfléchir. Je vais claquer mon dernier PC qui reste, que j'ai gardé de côté, pour pouvoir survivre encore un petit peu. Ok. Fin de la phase de combat. Au niveau de la bravoure, c'est réglé. Au niveau des points, je marque 2 points ici. Ici, je pense que je ne l'ai pas du tout. Oui, j'ai beaucoup, pas du tout assez de monde. Tout à fait. Et ici, je marque 3 points. Donc, comme tout à l'heure, c'est qui te fait 5 et donc te passe à 10. C'est ça. Score de 10 à 7 avant de passer au deuxième tour Bone Splitters. Tout à fait. Du coup, deuxième tour Bone Splitters, je vais donc essayer, tenter de gagner un PC à mon début c'est du ça. Tour. Donc, moi, avec Rayconor sur un 5+, à l'inverse de Katakross, qui est sur du 4+, qui l'annule, moi, sur un 5+, je le vole. Non, non, je ne le vole pas. Donc je vais bien gagner mon PC au début de ma phase de héros. Et mon général sur un 4+, va essayer de m'en générer un de second. Oui, donc ça me fera 2 PC pour ce tour-là, ce qui permettra peut-être de faire quelques trucs en phase de combat. Ensuite, toujours en début de phase de héros, mon prêtre ici va prier pour mettre un plus 1 sauvegarde sur mon pack de 30, qui ne sont plus 30. Ça passe, donc je vais rester à plus 1 sauvegarde. Et ensuite, on va passer donc au sort... Et je vais lancer donc en premier mon sort avec mon Wardock qui va lancer donc le sort qui donne plus 1 sauvegarde sur unité entièrement à 24 passes. Ça passe sur du 6, ça passe à 8. Est-ce que tu veux tenter de dissiper ? Oui, je vais tenter de dissiper. D'ailleurs, je viens d'y penser que mais je peux dissiper avec mes Haridan qui sont 8 maintenant. Donc potentiellement, elles peuvent dissiper. Mes Mirmondes, tu veux dire ? Pardon, mes Mirmondes qui peuvent dissiper à plus 2. Donc je ne vais pas dissiper avec elles. Pour l'instant, je vais dissiper avec Rayconor. Je vais attendre un jet un petit peu plus faible. Je fais 7, donc d'accord, ça passe. Le sort passe, donc je vais être à plus 2 de sauvegarde sur le pack de 30 comme tout à l'heure. Ensuite, je vais passer à mon général qui va lancer le sort qui donne plus 1 à la touche, plus 1 à la course, plus 1 à la charge. C'est sur du 6, il a plus 1, donc ça fait 7. C'est ça. Et donc comme j'ai fait un double, je pourrais sélectionner 2 unités entièrement à 24 pas. Donc celui-ci, je vais maximiser mes chances de le dissiper avec mes Haridan. Je suis 8, c'est-à-dire 2 mémirmondes, je ne veux pas. J'ai 2 tranches de 4, je vais donc dispel à plus 2. Il me faut du 5. Et je fais 5. Et c'est dissipé. Et 2, 7. Ce qui me permet de dissiper le sort et mes... Ah non, j'avais fait 7, du coup. Il faut que tu fasses 8. Si tu as fait 7, ok, bah donc c'est pas dissipé. Donc je vais être plus 1 à la touche sur le pack de 30. Et malheureusement, je n'ai plus mon général qui aurait pu bénéficier du plus 1 à la touche. Il n'y a pas vraiment d'autres unités qui vont pouvoir bénéficier vraiment. Donc je vais le mettre tout simplement sur lui-même, mon général qui tape un petit peu. Voilà, le Bone Grinder Gargant n'étant bien sûr pas Bone Splitters. malheureusement. Ensuite, je vais continuer avec mes sorts. Donc ce sera toujours mon général qui va lancer son sort anti-masse. De son Warscroll qui passe sur du 5, j'ai toujours plus 1. Et cette fois-ci, ça ne passera pas, c'est bien triste. Et du coup, je vais avoir un dernier sort avec mon général qui peut lancer 3 sorts. À ce tour-ci, le sort de vol va vraiment pas me servir à grand-chose, donc je vais tout simplement lancer un Mystic Shield.
qui va passer sur 8 plus 1, 9. C'est ça, et moi je vais tenter de le dissiper avec mon Guardian of Soul. 3, non, ça marche pas. Très bien, et donc du coup je vais mettre le Mystic Shield bien sûr, encore une fois sur le pack de 30, histoire de vraiment essayer d'avoir l'enclume au milieu de table. Et comme il me reste pas grand chose autour, il faut vraiment que ça tienne. Ok, fin de ta phase et de... Et ça sera la fin de ma phase de héros, tout à fait. De héros, quels sont tes plans pour ta phase de move un petit peu? Alors mes plans pour la phase de move, bah tout simplement le pack de 30, t'as pas trop le choix, va rester en place et c'est vraiment ouais. De maximiser les dégâts sur les deux packs en face. Peut-être envoyer un peu mon général si on arrive à le faire cogner à un endroit parce que voilà, il pourra peut-être apporter un petit peu de dégâts. Surtout le géant, bah, j'ai un peu l'hésitation entre l'envoyer à gauche ou à droite. Sachant qu'à gauche, même s'il va faire beaucoup de dégâts, ça m'en permettra pas de reprendre l'objectif, donc je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Donc je vais plutôt vraiment essayer de clean le centre de table. Okay. Donc à voir si on l'envoie en bas, en haut, on verra. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Fin de la phase de move. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait en commençant par ici? Ouais, commençant par ici. Bah, de toute façon, j'avais pas beaucoup de choix pour ce cochon tout seul qui reste à un point de vie. Donc il a juste fait une course pour se désengager et puis t'embêter un petit peu sur le jour. Là, il faudra quand même que tu viennes le terminer. Voilà, je pouvais pas faire grand chose d'autre avec, sachant que tout en armée vole en plus, donc il pouvait même pas trop bloquer le passage pour quoi que ce ouais. soit. Au centre de la table, du coup, j'ai finalement décidé d'envoyer le géant en bas pour vraiment, dans l'idée de bah, essayer de faire sauter vraiment ces deux packs là, pour permettre éventuellement sur un double tour après de pouvoir m'occuper de l'autre côté de la table. Donc il va venir ici, essayer de charger par là, et du coup, tout ça n'a pas bougé. Mes persos finalement sont restés un peu cachés dans la masse derrière. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à les envoyer au corps à corps, vu leur potentiel de dégâts. Voilà. Du coup, on va passer à la phase de tir. Ouais, pas un petit tir. Un petit tir, c'est le géant. Et du coup, il va lancer son rocher sur la tête du Knight of Shroud qui est là-bas. Toujours donc, pareil, 2 plus 3 plus, c'est ça? Alors, 2 plus 3 plus, j'ai quand même l'attention messire. L'attention messire. Ça va être sur du 4. C'est 3 plus 3 plus, du coup. Il touche à 3, de base. Ok, donc c'est 3 plus 2 plus, c'est pardon. C'est 2 plus pour blesser, ouais. Ok. Donc là, ça va être 2 plus. Et le fameux 1 qui, encore une fois, fait que ça ne marche pas. Le rocher est monstrueux à rater. Du coup, ce qui va nous amener tout de suite à la phase de charge. Oui, de toute façon, tu n'as pas beaucoup de charge à faire. Non, bah écoute, j'en ai qu'une. C'est tout simplement le géant. Allez. Qui va charger. Donc, les cogs gentiment posés par mon adversaire vont m'aider cette fois-ci. Donc, me donner plus 2 en charge. Ce qui va faire une charge à 8, plus de 10. Ce qui sera largement suffisant pour venir me mettre par ici ou voire même par là. Okay. Le but étant vraiment de taper dans les Blade Ghasts. Alors, au niveau de ta charge, du coup, tu t'es placé juste ici, ce qui va un peu t'amener à activer ton géant en premier, parce que si tu tues trop d'unités avec ce pack, notamment Blade Guest, tu vas pas pouvoir revenir après sur les Mirmandes avec le géant, parce que tu n'as pas la place. Ouais, tout à fait. Du coup, début de phase de combat? Début de phase de combat, déjà, pour commencer, je vais utiliser mon aptitude Big Wag des Bones Peters, ouais. qui fait que pour un PC, toutes les unités entièrement à 18 pas de mon général qui est ici, va avoir plus une attaque. Alors normalement, je jetterai un dé et j'additionnerai le nombre d'unités entièrement à cette portée pour essayer d'avoir plus 2 attaques, mais là, j'ai pas du tout assez d'unités. Et ça, t'en as 3 parce que le géant ne compte pas. Exactement, donc en fait, c'est absolument impossible. Donc je vais avoir une attaque supplémentaire pour chaque arme de mêlée de mon unité Bone Spitters. Mais je vais d'abord du coup faire les attaques de mon géant, sachant que je vais également claquer un PC avec mon général pour avoir la relance des 1 à la touche sur le pack de 30, ce qui fera mes 2 PC utilisés. Moi, de mon côté, au début de phase de combat, j'ai rien du tout à déclarer. Donc je ne déclare rien et on va pouvoir passer aux attaques du Bone Grinder Gargant. Effectivement, donc on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc déjà, je vais donc faire mon mouvement de pile-in. Et donc au moment où je pile-in, je peux du coup avoir une aptitude qui fait que je vais essayer de simplement manger une figurine. Ouais. Il faut que je fasse plus que le nombre de points de vie avec un des 6. Alors juste demander, il a combien de points de vie le Spirit Torment? Il y en a 5. Donc il faudrait un 6 pour pouvoir le croquer. C'est un petit peu compliqué, mais franchement j'ai envie de tester. Je oui, me c'est dis peut-être que... un peu plus impactant voilà, qu'un Blade Guest. Ça. Sur un malentendu, sur un 6. Et non, ce sera un 5 malheureusement. Ensuite, du coup, je vais diriger toutes les attaques du géant dans les Blade Guests. Donc je vais commencer par son attaque de piétinement, qui est donc une attaque en 3+, 3+. Je vais pouvoir relancer les 1 à la touche parce que l'unité ciblée n'est pas un monstre. Donc ça va être 3+. 3+ pour blesser. Oui, ce sera Raid -2, mais tu t'en fous. C'est ça, donc ça y va tirer à 4. Non. C'est raté, donc ça fera des 6 dégâts. Pour 5. Donc 5 Feel No Pain à 6. J'en réussis une, ça me fait 4 dégâts. 4 donc dégâts. Ça, c'est dans les Blade Guests. Hein. Dans les Blade Guests, tout à fait. De toute façon, toutes ces attaques sont dans les Blade Guests. Et je vais ensuite attaquer avec son
énorme club. Comment ils appellent ça? Gargantuan Club. Donc je vais avoir 7 attaques parce que je suis full profil. Donc ça touchera sur du 3. Bah, il est bon lui. C'est pas mal. Et ça va blesser sur du 3 également. Et tout blesse également. Donc ça sera Rennes-2 encore une fois que tu ignores. C'est ça. Donc save à 4. J'en sauve 3. Et donc ça fera dégâts flat 3 pour chaque. Donc ça fera 6 feel no pain. 6 feel no pain. J'en réussis une et ça fait que tous les blade guests vont mourir puisque ça me fait 5 morts de plus. Et c'est pile poil ce qu'il fallait pour son activation à lui. Très bien, on va pouvoir passer à la mienne. Alors on va passer à mon activation qui est une activation assez intéressante parce qu'en fait je n'ai pas du tout cherché la létalité puisque les Myrmornes elles ont une attaque, qu'elles en tuent un ou deux ça changera absolument rien. Par contre j'ai activé mon Spirit Tourment qui est passé derrière le gargant et qui va d'une part m'assurer de ne pas mourir à ce tour-là, puisqu'avec le peeling, il pourra pas se faire attraper. Et en plus, si j'ai pas le tour derrière, je me protège et potentiellement, c'est sûr que le géant restera engagé jusqu'au début de la prochaine phase de combat, parce que de toute façon, au tir, il ne pourra pas me finir. Donc c'est parti, je vais faire mes attaques un peu pas très importantes dans le géant. Donc j'ai 3 attaques en 4+, full relance, grâce à mon sort. 3+, full relance, Rennes-2, donc ça va 6. Ça va 6, tout à fait. Non, des 3 dégâts. Et voilà, il ne te reste plus que 34 points de vie. 35, s'il te plaît. Ah non, 34, effectivement. Ah, merci, j'ai eu peur. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai cru qu'il restait beaucoup plus. Alors ici, on a procédé à l'activation. De toute façon, c'était évident que les Myrmornes allaient sauter, donc on a un petit peu accéléré les choses, puisqu'il y avait 4 attaques par mec, full relance, enfin bref. C'était assez violent. Donc les Myrmornes ont sauté. Ici, par contre, oula, mon Guardian of Soul a pris un seul dégât, puisqu'il a super bien réussi ses saves à 4+, éthéré, donc... C'est assez cool pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Donc, je vais me mettre au maximum ici pour essayer de limiter ce qui pourra me taper au prochain tour. Donc, c'est parti. J'ai 3 attaques en 3+. Je suis relance des 1 parce que je suis à portée du Spirit Tourment. 2+. 1, Rennes-1, dégâts 1. Donc, ma 3+, va passer à 4+. Et c'est raté. Donc, 1 dégât, ça fait 1 mort. Tout à fait. J'ai mon Feel No Pain quand même. Ah oui, pardon. À 6. Et ça fera un mort, effectivement. Et ensuite, j'ai lui qui a été engagé. Donc là, je tiens l'unité par tous les bouts. Ce qui va, en fait, ce qui paraît anodin, mais qui est super important pour moi, puisque je me prémunis d'un double tour, en sachant que de toute façon, tu seras vraiment loqué au milieu par 3 petites figues. Et on voit l'importance, du coup, d'avoir fait ça avec mon Guardian of Soul au bout. C'est hyper intéressant. Donc c'est parti, on va faire l'attaque du Knight of Shroud monté. Donc j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 2. Oula, waouh. Wow. Les stats commencent à être inversées. Ça commence à fatiguer. Ensuite, le poney, il a 2 attaques. Je crois que tout à l'heure, j'en ai fait 3. Il n'a pas attaqué, lui, encore depuis le début de la partie. Non, bah, en fait, j'ai dit n'importe quoi. C'est avec Raikkonor que j'avais fait tout ça. Tout à fait. Donc, c'est parti. Il a 2 attaques en 4+. Oui. Je blesse sur du 5+1, 4. 1, sans rend. Donc, c'est à 3. Relance les 1, parce que j'ai toujours le Mystic Shield. Et c'est sauvé. Premier 6, ça la sauvegarde. Ouais, solide. Solide, solide. Fin de l'activation. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas. Enfin, si tu as une déroute, t'en as perdu 1. J'en ai perdu 1, donc là, je vais pas rater, puisque du coup, je vais avoir +1 pour ma bannière. Plus 2, parce que je suis toujours 20 dans l'unité. C'est ça. Donc là, je suis assez serein, donc j'ai pas besoin de lancer le dé. Ok. Au niveau des objectifs, tu as que celui-ci, puisque ici, ouais. Bon, bah, évidemment. Donc ici, tu marques 2 points. 2 points, tout à fait. Pour donc il y avait 7 à 10 pour moi et on passe donc sur un score de 10 à 9 pour moi. Tout à fait. On va regarder tout de suite l'objectif qui va valoir 3 points pour le prochain tour. 6, c'est celui qui est tout là-bas. Pas une bonne nouvelle pour toi. Non, effectivement, oui. Et ensuite, on va passer au jet d'initiative en sachant quand même que là, ton unité loquée, en fait, même si j'ai le tour, je te le laisse, je pense, parce que je suis vraiment... Enfin, je veux dire, je risque pas grand chose à le prendre, alors qu'à l'inverse, si je le perds. Bref, voyons, j'ai l'initiative. Je fais 1. Bon. Je vais faire 5. Et du coup, nous allons passer à la phase de réflexion. Alors, tu as décidé de prendre le tour. Pourquoi, en fait, le truc, c'est que bon, t'as entre guillemets un tour perdu. En plus, t'as pas de chance parce que l'objectif central n'est pas celui qui va valoir 2 points. Effectivement. Par contre, bon, ça t'assure de tuer les 3 héros ce tour-là. Enfin, essayer une bonne chance d'y arriver peut-être. Voilà. Ouais. Alors que si j'avais eu le tour, j'aurais explosé mes héros sur toute la carte, histoire d'être sûr que tu puisses plus trop les attraper. Et puis, je me serais amusé à foutre des petits murs un peu à droite à gauche. Exactement. Pour te faire perdre du temps. Là, disons que t'as l'opportunité de les attraper maintenant. Et même si moi, j'arrive plus à prendre ton pack de 30,
Bon, au moins, il est un peu coincé pour ce tour-là, quoi. Tout à fait. Donc, phase de héros. Alors, début de ma phase 0, est-ce que j'ai le droit à mon petit PC ou On va voir ça pas? tout de suite sur un 4+, 5+, pardon. Oui, donc je vole le PC. Donc, tu voles le PC, donc je n'aurai pas mon PC début de T3. En revanche, est-ce que mon général sur un 4+ veut bien m'en donner un? Et non, donc je vais faire un tour sans PC en plus. Ça va être Dramatique. un petit peu compliqué. Du coup, pour ma phase 0, donc toujours en début de phase 0, cette fois-ci, comme je crains un petit peu moins le retour, je vais tenter avec mon prêtre de mettre plus 1 au cast sur mon général, sur un 3+, avec la prière. Ce qui va rater, bien entendu. Donc ce sera tout pour le début de phase 0. On va passer à la magie. Je vais continuer donc avec le prêtre qui va lancer le sort de plus 1 en sauvegarde. Sur du 6, pardon, donc ça fera 8. Je Est-ce vais que tu tenter veux? de le dissiper évidemment avec mon Reikonor qui est là-bas. Ouais. Je fais 9. Fait 9, donc il va être dissipé. Donc j'aurai un pack cette fois-ci qui n'aura plus de bonus à la sauvegarde. En espérant qu'il n'y aura pas de double tour du côté Nighthaunt. Ensuite, je vais lancer avec mon général le sort qui donne plus 1 à la touche, plus 1 à la course, plus 1 à la charge, qui sera sur du 6 également. Cette fois-ci, il va passer à 12 plus 1, donc C'est 11. ça. Je vais tenter de le dispel avec mon. Ah non, tu as 4 sorts, c'est ça? Il reste encore 2 sorts après sur le général, C'est ouais. ça. Donc. Il y en a un que tu ne pourras pas tenter de dissiper, enfin, en fonction de ce que tu décides de faire maintenant. Je vais laisser celui-ci. De toute façon, j'ai peu de chances de faire 12, donc on va le laisser. D'accord, donc je vais mettre du coup plus 1 à la touche sur le pack de 30, enfin de 30, je dis 30 depuis tout à l'heure, mais sur le gros pack. Ensuite, on va lancer du coup son sort anti-masse de son War Scroll, donc ça sera sur du 5. Et ça va passer 8 plus 1, 9, malheureusement je ne fais pas Je vais 10. tenter de le dissiper. Ouh, 6. Donc ça 6, passe. donc ça passe, malheureusement j'aurais cherché le 10 pour pouvoir infliger plus de blessures mortelles. Du coup, je choisis une unité à 24 pas, donc Donc on, les je Haridans. pense qu'on va prendre les Haridans parce que c'est vraiment ce qui va être le plus rentable, même si c'est pas très 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 utile. Et en plus elles sont toutes là. Donc tu en as vraiment 20. Donc tu as vraiment 20 dés. Et par 20 contre c'est dés. sur du 6 et pas sur du 4. Exactement, c'était un peu la tristesse. On cherchait le 10 plus. C'est pour ça que j'avais lancé la prière avec mon prêtre au début. Du coup, je vais lancer 20 dés. Chaque 6, ce sera une mortelle. Et ça fera qu'une seule mortelle. Non, 2, pardon, 3. 3, j'avais pas vu. 3 3 mortels. mortelles sur les Haridans qui, elles, ne sont pas entièrement à 12, si je ne me C'est trompe ça, non, pas. elles sont à 12 de différents héros, mais elles sont pas toutes à 12 du même. Donc ça fera 3 mortes. C'est ça. Donc je vais retirer les 3 ici qui étaient côté Reikonor. Très bien. Ensuite, il va me rester du coup un sort avec mon général. Et donc encore une fois, le sort de vol va être très peu important puisque j'ai vraiment pas d'unité qui va pouvoir bouger et aller charger tout ça. Du coup, je vais décider de lancer Un peu. un Arcane Ball, je pense, pour essayer de choper peut-être un perso en Quelques plus. BM. C'est ça. 6 plus 1, 7. Mais je vais tenter de le dissiper cette fois avec mon Spirit Tourment. Je fais 8. Et voilà, donc une phase Le de talent. le talent, une phase de magie et encore bof côté Bonespeeters. C'est clair. Une phase de move qui va être Très limité. inexistante. Ouais, bah en fait vraiment inexistante puisque Il n'y a que lui, mais il sert absolument à rien. voilà, je peux même pas l'envoyer essayer de buter quelque chose parce qu'il n'aura pas assez d'attaque à lui tout seul pour. C'est clair, il va mourir de toute Et il façon. va mourir, donc autant le laisser ici pour forcer mon adversaire, hein, le blast ou lui tirer dessus, ou je sais pas, faire quelque chose avec. Ensuite, phase de tir du géant dans le Spirit Tourment. Tout à fait, il n'a pas le choix lui de toute façon, il est obligé de tirer dedans. C'est ça. Alors avec un peu de chance, on peut peut-être. Ben non, on peut même pas le coucher parce que c'est dégâts 4. C'est ça. 3 plus de plus. 3 plus de plus, tout à fait. Et ben Ben voilà. voilà, il n'aura pas tiré une seule fois son gros rocher de la partie. Comme ça, c'est fait. On voit là toute la puissance de cette unité. Il est pas mauvais, il est pas Il est mauvais. pas mauvais, pas mauvais. Mais dans les terrés, c'est vrai que c'est un peu moins Ouais, c'est balèze. vrai que ça casse un petit peu les stats. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge qui n'existe pas. Et donc, du coup, directement passer à la phase de combat, je pense. C'est ça. On va passer à l'activation du géant qui s'est mis entre les deux et Tout qui à va donc fait. tenter de croquer le Spirit Tourment. Alors, il va essayer de croquer effectivement lui, comme tout à l'heure sur un 6, on y croit. Allez. Et non, encore Encore un 5, 5. comme tout à l'heure. Donc, malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, du coup, je vais décider tout simplement de mettre toutes mes attaques sur lui pour être à peu près sûr de le finir. Puisque de toute façon, tes Zoroark vont pouvoir Voilà, beaucoup après, je plus vais aller sur le avoir. Guardian au sol. Exactement. Et puis, comme la sauvegarde est tirée à 4, est un peu compliquée, il ignore complètement toute ma raid. Donc, on va faire ça comme ça. Du coup, je vais commencer par l'attaque de piétinement. Donc, je vais avoir une attaque en 3+, relance les 1. Bien sûr, 2, donc ça commence bien. Et ensuite, on va avoir 7 attaques. 3 plus 3 plus. 3+, 3+. Allez, on y croit.
faut que ça marche. Bon, Ouf, déjà, oh la vache, heureusement que c'était du 3. Hein. Voilà, c'est beau. Je t'ai pas dit, t'as moins 1 à la touche. Et du coup, 3 pour blesser derrière. C'est pas très bien, hein. Il suffit que... Bon, il faut que t'en aies. Bon, reine moins 2, dégâts 3, donc faut que t'en aies 6-2. J'ai réussi une, je D'accord. prends 6 dégâts. Et voilà, et maintenant le Feel No Pain, à savoir si est-ce que tu arrives à faire des 6 ou pas. Alors là, c'est moins important parce que c'est moi qui joue après, mais quand même. Effectivement. J'ai réussi 2. Et donc il ne va pas mourir, il va lui rester 4 PV. Ah, pardon, il reste 1 PV, c'est un ça. 1 PV, c'est ça, c'est bien la tristesse. On voit tout de suite l'efficacité du géant. C'est le désarroi. C'est ça. Bah moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer tout simplement mon Knight of Shroud monté en essayant de le reculer un tout petit peu. Alors, petite, je vais regarder les stats. Donc, il a 4 attaques qui vont être en 3+. Ouais. 2+. Ouais. Une. Reine moins 1, dégâts 2. Donc, reine moins 1, cette fois-ci, j'ai. Pardon, pas mes bonus. Donc, du coup, j'ai ma save à 5 qui passe à 6. C'est raté. Et ensuite, j'ai les attaques de poney. 4+. 5 plus qui passe à 4. Ouais. Sans rend. Dégâts 1. Save à 5. Raté. Ce qui me fera du coup 2 Feel No Pain à faire 3 du coup. C'était 2 dégâts pour la première. Ok. 3 Feel No Pain à 6. Et je m'en retire 1. Ce qui fera 1 mort. Ouais. Que je vais retirer par ici. On va faire l'activation un petit peu en off de tout ce beau monde. Et regarder l'état de la table après. Alors, énorme craquage côté Bone Splitters. Puisque, en plus de laisser mon Spirit Tourment à 1 PV, tu as mis 3 dans le Guardian of Soul, donc il lui reste 2 PV. Tout à fait. Tu as mis 5 dans le Knight of Shroud et qu'il reste 1 PV. Tout à fait. Donc laisser 2 persos à 1 PV et 1 à 2 PV, c'était vraiment pas ce qu'on voulait. Ouais, c'est clair. Donc, fin de ton tour, moi, au niveau de la déroute, en début de phase de déroute, j'ai pas tué 3 figurines, donc le Spirit Tourment va pas avoir le droit de soigner. Et tu vas marquer toujours 2 points. Toujours 2 points, tout à fait. Donc voilà. Je vais passer à 11, prendre une légère avance qui, à mon avis, ne va pas durer. C'est ça. Donc moi, on va passer à mon tour. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est assez, assez intéressant. C'est une aptitude qu'on n'utilise pas super souvent. Mais l'idée, ça va être la suivante. Je vais claquer 2 PC avec mon général pour ramener mes 2 héros juste en retrait. Donc en utilisant la TP, qui est assez intéressante puisque ça va me permettre à mes Aridan de se rabattre sur toute cette unité-là, et de profiter des bonus des 2 héros qui, de toute façon, sinon, n'auraient pas été en mesure de filer leurs auras, etc. Donc, je vais procéder à CTP et faire la suite de la phase de héros. Alors, j'ai claqué 2 PC autour de mon général pour ramener mes 2 héros, ce qui va me permettre de ramener mes Aridan. Ensuite, phase de héros, Reykonor va utiliser son aptitude pour mettre une BM dans le petit gars à qui il reste un seul PV. Donc, voilà. Si tu réussis pas ton Feel No Pain à 6, il va décéder en phase de héros sans que j'ai besoin de lancer de sort. Donc c'est le manque de respect total. On se sert de moi pour buffer son cast et en même temps on me tue. Donc vas-y, Feel No Pain à 6. Alors je vais réussir beaucoup mieux mes Feel No Pain que mes sauvegardes, attention. Fais-moi voir. Non. Donc il meurt. Tout à fait. Alors donc avec son bonus au cast, mon Reykonor va lancer un Mystic Shield sur les Aridan à plus 1. Je fais 9 et un 10. Écoute, je vais tenter de dissiper avec mon général qui est ici. Qui aura un bonus, qui aura pas de bonus, non. Qui va rater. Ensuite, mon Spirit Tourment, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas trop ce qu'il va faire. Il peut se mettre son sort maison, c'est toujours sympa. Je fais 12, comme ça D'accord. c'est réglé. Tout Et fait. Ensuite, cet individu va mettre un très magique, un 7. Je vais tenter de dissiper encore une fois. Et cette fois, ce sera dissipé. Très bien. Donc pour ma phase de héros, c'est tout, je n'ai plus de point de commandement, je vais faire la phase de move et on va enchaîner. Alors, pour ma phase de mouvement, ici, j'ai reculé un petit peu mes Chain Rasp, j'ai rabattu toutes mes Aridan, et j'ai ramené ma Mourangul. Ma Mourangul, on va voir si elle se prend le Fatal. 2, elle prend pas le Fatal. Non. Donc je vais pouvoir passer à ma phase de charge, en sachant que je vais pouvoir bénéficier de toutes les auras de mes deux héros. Petit point, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû les téléporter au début de la phase de mouvement, et non pas... En phase de héros, ça change pas grand chose puisque les sorts que j'ai faits, c'est sur eux-mêmes et c'est un trait magique et ils étaient à portée pour le faire. Tout à fait. Donc on va passer aux charges. Charge de la Mourangul qui fait 6 et de 8, donc ça passe. Et charge d'Aridan. Je fais 9. Encore une fois. Et ça ne passe toujours pas concernant l'aptitude d'allégeance qui me fait 11. Et nous procédons tout de suite à la charge. On va donc passer à ce qui semble sonner le glas de cette partie. Avec l'attaque des Aridan. Donc, c'est ce pack d'Aridan
J'en ai trois qui vont pouvoir taper dans le boss là, en sachant que j'en ai deux autres qui de toute façon sont hors de portée. J'ai donc 3 fois 3 attaques, ce qui fait 9, plus une avec la boss, j'ai moins 1 pour te toucher. Donc mon 4 plus relançable passe en 5 plus relance des 1. Il y a un seul 1. Hop, non, si. Et là, c'est du 2 T'as plus. encore un 1 ici que t'as oublié? Pardon. Hop. Non, donc 2 plus. Donc ça t'en fait 2, reine moins 1, dégâts 1. Et une, reine moins 1, dégâts 2. Donc les deux dégâts 1, ça va 5, moins 1 ça fait 6, donc c'est raté. Et la sauvegarde dégâts 2. 2. Ça va 6, c'est raté aussi, donc ça fera 4 feel no pain. À 6 dans mon général, ça fera 3 PV perdus, il lui restera 4. Et ensuite, du coup, je vais retirer dans mon pack de 20, j'en ai 3 qui ne vont pas taper. J'en ai 2 en plus qui, pompent pas, enfin, qui ont déjà tapé, 2 qui ne peuvent pas taper. J'en ai donc 15. Ça va me faire 45 attaques qui vont être en 4 plus relance des 1, 2 plus reine moins 1 dans les Savage Rook. On va donc faire 3 fois 15 attaques. Donc c'est parti. 4 plus relance des As. En plus, c'est plutôt propre. Ouais, sauf la relance. Donc déjà sur la première salve, j'en ai loupé 7. J'en ai loupé 8. Donc ça fait déjà 7 attaques. Ensuite, on recommence. Hop. Relance des As grâce au Spirit Tourment. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on en est à 19. Hop. Y a trop de dés. Hop. Ensuite, relance des As. Hop. Il est cassé. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 30 sur les 45 attaques. Et du coup, 30 attaques qui vont blesser sur du 2. Je vais donc faire 2 fois 15 dés qui vont blesser sur du 2. Ça me fait 14 du coup. un échec. Et la deuxième salve. Ah pardon, il y a des 6. Donc tu en as 5 déjà. Ok, ils seront dégâts 2. 5 dégâts 2 et 9 dégâts 1. Et la deuxième salve. Il y a 0-1, truc de Ouais, fou. full touche, enfin full bless, et du Et coup donc ça ça rajoutera fait. 2. Ouais. Donc ça te fait 7. C'est ça? Dégâts 2, ouais. 7 dégâts 2. Alors, après décompte, ça nous fait donc 22 sauvegardes, reine moins 1, dégâts 1, et 7 dégâts 2. Donc c'est parti. J'en perds mes moyens. Alors les sauvegardes à moins 1 dégâts 1, donc sauvegarde à 6. Je vais en faire 2. et ensuite je vais prendre les dés à côté pour faire. Oups, tant bien. Donc ça fait déjà Beaucoup. ouais. On va dire beaucoup. Et ici c'est complètement raté aussi pour les Donc ça t'en sauvegardes. fait 14 en plus. Exactement, donc je vais rajouter 14 dés puisque. Enfin 7 dés ici. Hop. Pour doubler. Et je vais faire tous les Feel No Pain à 6 directement là. Et là, ça va faire du mal dans le pack. Et là, ça va, je pense, finir un petit peu. Clore les débats, on va dire. Donc Feel No Pain à 6. Feel No Pain à 6. Ouais, il y en a quelques-uns. 4, 5. 4, 5, on compte tout Alors. ça. Du coup, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Il y a... 14 morts. y Et avait du coup. le 3, non? Comptez pas. Le 3, je pense, ne comptait pas, Ok. à moins que je me suis trompé, mais Donc ça fait... ça fait 14 morts. Il ne va pas rester grand monde dans le pack. Exactement. Alors, après le gros tas de morts ici, il te reste 5 mecs C'est qui vont ça. pouvoir activer dans les Aridanes. Exactement. Donc je vais lancer 10 attaques dans les Haridans. Donc moins 1 pour toucher, ça C'est ça, fait parce que tu as du. mis hors de portée la mandgueule. Oui, tout à fait. Donc Donc c'est ça juste fera moins 1. du 4+. Et du 3+. Et ça fera 6 sauvegardes. Donc 6 sauvegardes éthérées à 4. C'est parti. Ça en fait 3. Feel no pain à 6. Cassé. Ça fait 3 Hop, 3 morts. morts. Très bien. Donc bon, la mandgueule a été mise dans le vent, donc je vais juste avoir le droit de faire mon peel-in comme ça. Exactement, mais Malheureusement, non. j'ai pas la portée. Pour taper, Hop. tout à fait. Donc, malheureusement, enfin heureusement pour moi, Kurdos m'a quand même beaucoup aidé puisqu'il m'a permis de claquer mes deux PC pour ramener mes héros. Et en plus, il t'a. De voler mes deux PC surtout. C'est ça, il t'a volé un PC, donc du coup, tu peux pas immune bravoure. Donc Exactement. là, tu as un test de déroute à moins 15, donc c'est. C'est raté automatiquement, de toute façon, j'ai même pas besoin de lancer le dé. C'est ça. Ce qui fait que les 5 survivants vont fuir et me laisser seulement avec
deux persos et mon géant. C'est ça. Et donc moi, je vais marquer 3 points pour cet objectif. Oui, bah, je mets 3 unités de Chain Rasp en fait. Donc là, je vais marquer 7 points. 7, ouais, le maximum. Et donc, on est sur un score de 17 à 11. Et on va regarder tout de suite quel objectif vaut 3 points. 1, c'est l'objectif qui est tout là-bas. On va donc procéder au jet d'initiative du quatrième tour. Un petit 5, un petit 4. Bon, je pense que ça clôt le débat. Parce que ce que je vais faire, bah, évidemment, moi, je vais finir d'engluer ici et de nettoyer. Je vais appliquer un moins 2 tweet sur le géant avec un moins 1 à la blesse potentiellement. Et en plus, de toute façon, je vais encore remarquer 7 points sans aucun problème. Donc, on va s'arrêter là et on se retrouve pour un petit débrief. Alors du coup, petit débrief sur cette partie, qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? Globalement, c'était quand même un petit peu une fessée, hein, on peut le dire. Je pense que finalement, on savait pas trop ce que ça allait donner en termes de puissance et tout ça. Finalement, on a vu que ça a tourné quand même très rapidement à ton avantage. Je pense que le fait d'avoir ce petit monsieur là dans ma liste entame pas mal les points. Je pense que je sais pas trop jouer parce que j'ai jamais joué de gros monstres comme ça dans ma liste. Et du coup, il est arrivé tardivement dans la partie, il n'a pas fait grand chose. En plus, il s'est un peu craqué. Franchement, l'éthéré, ça lui a fait assez mal puisqu'il s'est planté sur un spirit tourment. Quoi. Donc, globalement, il a été. Ouais. Déjà, en plus, il t'a coûté un PC en début de partie, qui t'a décalé ta wag d'un tour. Après, c'est vrai que tu as franchement payé cher le fait de vouloir marquer des points au T1. C'est ça, c'était un peu l'hésitation, c'était soit je jouais un peu défensif, je te laissais le T1 et après je réagissais au mouvement que tu allais faire, soit je m'avançais pour scorer et par contre je m'exposais vraiment à toutes les FEP Nighthaunt. Donc bon, c'était le choix que j'ai fait finalement, effectivement peut-être que je jouais plus défensif, ça aurait été mieux et peut-être un meilleur placement aussi là de mon perso sur la droite qui aurait vraiment pu aider un petit peu, et une bravoure et tout ça. C'est vrai que en plus t'as pas forcément eu beaucoup de chance sur les objets, puis voilà, c'est vrai qu'habituellement une list bone splitters c'est quand même beaucoup plus de masse. Enfin, de la masse de gros socles, mais il y a quand même plus de masse. Et là, c'est vrai que sacrifier entre guillemets 500 points là-dedans qui n'ont pas été rentabilisés du tout parce qu'il a fait quoi? Il a fait 4 PV dans la partie? Ouais, c'est ça. Hein. Il a fait 4 PV dans la partie. Donc... Tu l'as même pas focus parce que tu savais qu'il n'allait pas impacter avant un certain temps. Enfin, je tournais autour. De toute façon, je savais que ça me coûterait trop cher d'investir pour le tuer. En plus, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, mais tu as une bravoure qui est assez faible. Et pour moi, c'était beaucoup plus intéressant d'aller. On va dire privilégier les cibles de masse pour privilégier les pertes à la bravoure, etc. C'est ce qui s'est passé en fait. Hein. La moindre perte avec le moins 1 bravoure de Nighthaunt, ça t'a coûté super cher. C'est ça. Alors qu'une pique comme ça, c'est 35 PV de save à 4. C'est beaucoup trop. C'est vrai que voilà. Ça aurait été plus compliqué pour toi de le gérer. Ouais. Effectivement, le PC en moins pour la règle mercenaire, parce qu'on vous rappelle que quand on prend un mercenaire, on ne gagne pas le premier PC au premier tour. Plus le fait que tu m'en aies volé un ou deux avec Cordos derrière. Ouais. Bah, moi, j'ai une armée où j'ai vraiment besoin de mes PC, notamment parce que j'en ai besoin d'un quasiment à tous les tours pour immune quelque chose, la big wag, enfin, juste comme ça, et du coup, c'est vrai que ça laisse un peu compliqué derrière. Ouais. Et puis, voilà, le bon, l'éthéré, c'est toujours un peu embêtant. Ouais, c'est vrai que bon, autant sur toute ton armée d'orc sauvage, c'est pas encore trop dramatique, parce que t'as quand même pas mal de satu. C'est vrai. Et on a vu que dès que t'as commencé à saturer, les packs de Blade Guest, de Mirmand de Banshee ont sauté. Par contre, c'est vrai que la reine moins 2 qu'on va sacrifier, en plus, il n'a pas été capable de passer un seul tir sur ses 3 tours. Enfin, bref. Ouais, bon, ça, on sait que c'est toujours un peu le tir un peu bonus, on va dire, mais c'est sûr que sur un perso, quand on va lui faire 4 PV d'un coup, en 2 tours, on peut arriver à faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu la mauvaise gestion du gros géant, là, qu'on, pour l'instant, on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, j'en ai un méga gargant, là, que j'ai reçu, que j'ai pas encore monté. Voilà, je suis pas sûr que ce soit l'armée Bone Splitters dans laquelle je vais le jouer le plus. Je pense que je vais plutôt le jouer en Nurgle avec mon armée Nurgle, ce sera peut-être plus sympa. Parce que là, Bone Splitters, on a vraiment besoin d'avoir un peu de masse. On a vraiment une armée de statues, de prise de table. Et donc, que limite, quitte à avoir un ton, peut-être plutôt aller chercher du côté des Rogue Idol ou quelque chose comme ça. Quoi. Bah, du coup, moi j'en ai une, je la jouais dans une autre liste. Avant, je jouais un autre clan avec une Rogue Idol qui était plutôt pas mal. Mmh. Alors, c'est plus pour bloquer l'adversaire, tout ça. Mais au moins, ça synergise un peu plus que le géant là, qui, bon. Plus un bravoure entièrement à 12, on a vu que ça n'a même pas servi dans la partie parce que bon. Parce qu'il était un peu en retard. C'est compliqué. Donc voilà, c'était très sympa, mais effectivement, du coup, je pense que j'étais un peu trop optimiste au début et la partie aurait été peut-être un peu plus équilibrée si j'avais été un peu plus défensif, C'est vrai que moi, j'avais plutôt un a priori de me dire que je risquais de prendre un peu le bouillon, notamment à cause de la statue. C'est vrai que les Haridan avec le debuff à la touche. Ça casse un peu le. Mine de rien, ce moins un bravoure qui fait que la moindre perte peut être assez dramatique.
En sachant que moi, toute mon armée, j'ai quand même pas mal de Rennes-1, donc t'as plus de save assez rapidement. Voilà, puis en plus, t'as loupé ta prière au tour où t'en avais Ouais, plus besoin. c'est ça, les plus deux en save finalement m'ont pas servi au troisième tour. Bon, après, c'était de la prise de risque aussi d'essayer de passer à autre chose. Mais effectivement, je pense que la partie était déjà bien perdue pour mon côté. De toute façon, à ce tour-là, c'est vraiment les deux premiers tours qu'on a terminé. Vraiment, le fait de tout perdre en un seul tour ici, c'était un peu violent. Et voilà, bon, c'était un peu le forcé. Mais voilà, encore une fois, je pense que la liste du coup était un peu impactée par le bone grinder. Après, C'est on avait clair. envie de le jouer parce qu'il avait les nouvelles règles un peu qui reprenaient tout ça. Maintenant, on voit que 500 points, c'est cher En hein, tout pour cas, dans s'initier. cette liste-là, c'est Ouais, compliqué à rentabiliser, c'est quoi. Donc, c'est vrai compliqué. que quand on voit en Fire Slayer, il y a des petits abus de mots-clés qui permettent de lui filer des bonus, etc., qu'on n'a pas du tout en Bone Splitters ou dans certaines armées. Donc, voilà, il est compliqué à rentabiliser. Ouais. Et c'est vrai que, mine de rien, entre le déploiement, la prise du tour 1 et le fait d'avoir lui dans ton armée, plus Kurdos qui t'a piqué à un tour hyper important ce PC. C'est ça. En fait, ça a coûté assez cher. Et à noter que lui, quand même, il a une petite différence. Alors, il a pris les quatre règles de base un peu des méga gargantes, mais il y en a une qu'il n'a pas, c'est le fait de faire des blessures mortelles quand il charge aux unités un pas. Et ça, mine de rien, ça change pas mal parce que bah, ça permet de, voilà, de buter deux, trois figurines pour pouvoir après s'engager un peu plus ou de finir un héros en même temps. Surtout sur du Nighthaunt, hein. Ouais, et du coup, là, c'est vrai que le fait c'est un peu la seule règle que tous les autres ont que lui n'a pas, et que du coup, bah, c'est un peu dommage Puis parce il que a quand même, lui, le géant forge, perdu son Pilinacis, qui était la marque de fabrique et qui faisait que voilà, on pouvait en faire une seconde lame, mais sans le coller et sans trop C'est l'exposer, quoi. ça. Donc Donc voilà. là, ils l'ont transposé un peu pour coller un peu au saut de War Scroll, mais il manque cette règle-là, on ne sait pas pourquoi, et il l'a pas lui. Ouais, il a perdu un truc, lui. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors son arme est dégâts 3, c'est vrai, mais il a moins d'attaque, c'est bon, c'est. Voilà, je pense que je préférais plus, à la limite, si je dois jouer un géant dans une liste destruction ou Ouais, autre, prendre jouer un. plutôt un Warstomper, je pense, ou voilà, ou le Kraken Eater qui permet de déplacer un peu les objets. Je pense qu'il y a plus de choses à faire avec ça. C'est Mais clair. sinon, on voit que le Nighthaunt, c'est. Alors en plus, t'as passé aucune charge à 10, Je vais en passer une donc quand même avec t'en as passé. mon Guardian of Soul. Exact. Mais voilà, après sinon, on se demande ce qui serait passé si ne serait-ce qu'une fois t'avais chargé, tapé en phase de charge plus en phase de combat. C'est vrai que bah après, j'ai sur les saves de 4+ de début de partie, notamment là-bas, je Ouais. les ai toutes passées. J'ai dû faire un 8 sur 8. Et en fait, c'est toujours le problème de cette armée en 4+ éthéré, quoi. C'est-à-dire que si ça passe, c'est champomis. Et sinon, c'est. En fait, ça saute, quoi. Ça saute. C'est Donc, vrai. Oui, parce que c'est quand même que 1 PV, hein. Eridan, c'est c'est 1 un PV. PV. Donc, Le si mouvement de elles. Banshee, c'est 12 PV finalement l'unité, donc ça peut très vite sauter. Tant qu'elles sont C'est. là, tu peux en ramener. Ouais. Mais quand elles sont plus là, c'est fini. Donc, sur un craquage, si ça saute, c'est terminé, quoi. On Ouais. l'a vu là. Hein. Heureusement que j'avais les Aridan en second rideau. Mais Non, voilà. mais c'est ça. Et je pense que c'est ça mon erreur, c'était plutôt de te laisser jouer en premier pour que tu. Soit te forcer à les poser sur table, et donc de pouvoir, moi, après, essayer de les gérer plus facilement. Soit que tu les poses pas, mais du coup, bah, elles étaient pas encore là, et ça me laissait. Parce qu'en fait, la grosse menace, c'était un peu cette unité en FEP. Donc je pense que finalement, effectivement, être plus défensif, te donner le premier tour, sachant que tu pouvais pas faire grand-chose à part te poser sur le jeu, comme moi j'ai fait finalement, ça aurait été plus intelligent. Voilà. Mais Bon. je pensais pas prendre aussi cher Ouais, je pensais pas que par ça là. enverrait autant. Donc Et c'est vrai que je voilà. pensais pas soit mal gérer, soit pas assez gérer le géant pour qu'il soit impactant dans la partie, quoi. C'est Finalement. clair. Et la fille est magnifique, hein, c'est dommage. Hein. Ouais, Je pense pas qu'on le voit beaucoup, à part sur les parties justement un peu c'est ça, fun. on le verra en Gloomspite. Bon, en tout cas, merci à Ouais. toi. Bah, c'était. Merci Et à toi de puis, m'avoir invité. j'espère que ça vous a plu. On s'est aperçu quand même pendant le tournage qu'il y avait eu un petit souci de son. J'espère que ça a duré vraiment très peu de temps parce qu'on essaie de checker souvent. Et puis voilà, en tout cas, merci encore. Ben merci à J'espère toi. que ça vous a plu et je vous dis salut, salut! Salut!